Yo yo tout le monde, yo yo yo. Attendez, je vais juste voir si j'ai vraiment lancé le live car je suis pas vraiment sûr, je vais pas vous mentir. Ok. Normalement j'ai lancé. Attendez deux petites secondes. Est-ce que ça a Ça lancé? lance. Ça a lancé. Let's go. Donc yo tout le monde, aujourd'hui tout nouveau live les amis sur la chaîne. Ça fait super méga longtemps. Je suis juste trop content. Donc on est avec mes deux petites sœurs Anna et Sana. Salut, salut tout le monde. Et on est aussi avec le petit Minox, le coco rasé. Comment ça va, Minox? Yeah. Donc voilà les amis, ah ouais déjà 137, vous êtes les boss les amis, vous êtes les boss. Donc voilà, yo yo yo, ah ouais ça spamme déjà dans le chat. Yo Marina, yo Princesse, Roblox, yo Jajajaun. Attends, il y a vraiment un mec qui s'appelait Jajajaun. Bon désolé si j'écorche vos pseudos, il passe trop vite, j'arrive pas à lire. Donc voilà, salut Goku. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va faire un petit live RP tranquillou. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un, donc voilà. Ça va être les pires jumelles. De toute façon, vous avez vu dans le titre. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts les boss? Est-ce que vous êtes ready? Oui! Sana, t'es ready? Oui! Let's go, moi aussi je suis ready. Donc voilà, on va directement commencer. Donc voilà, on va mettre la petite musique là que vous connaissez tous, le Investigation. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, on va directement lancer et let's go, c'est parti. Là, on est en mode RP les boss. Donc voilà, s'il y a un problème, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et sur ce, ben, pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, on va directement commencer. Yo, j'ai eu plus le nouveau concert de Coco Rasé, je suis trop content. J'espère qu'il va faire 1 million de vues. C'est devenu une star, Coco Rasé. Vraiment devenu une star. Bon, attends, là, je vais aller le voir. Coco Rasé! Coco Rasé! Non mais c'est pas possible, il est sourd ou quoi là ce coco rasé? Non 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 non, attends attends attends. Coco rasé! Oh là là, il est parti où? Qu'est-ce qu'il... Wesh, qu'est-ce que tu fais là? Coco rasé, depuis quand tu t'es mis à la musculation? Non mais coco Ah mais rasé en fait, là! je me muscle les fesses. Mais tu te muscles les fesses? Non mais Oui. non 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 non, mais c'est pas possible, tu veux faire des caca musclés ou quoi là? Non non, coco rasé, c'est pas... Non mais qu'est-ce qui fait Mais... coucou rasé? Arrête ça tout de suite. Déjà que là tu manges des Hershey's, t'as cru que ça allait faire quoi là? Tu vas grossir dans tous les cas. Donc arrête la muscu, c'est pas pour toi. Toi c'est la danse, ok? Toi c'est le concert. Viens viens, on doit filmer le nouveau concert là, d'accord? D'accord. T'as vu là sur YouTube, on a mis une vidéo de toi là, elle a 1 million de vues, mec, t'es devenu une star là. Vraiment c'est juste incroyable, je suis juste trop content, il y a tout le monde qui aime. Ah oui, vous aimez la musique de Coco Oui. Rasé? Attends, je vais faire un post pour voir s'ils aiment la musique de Coco Rasé. Attends, je vais te filmer vite fait là. On va te filmer un peu là, on va faire une nouvelle vidéo là, on va faire une petite improvisation, ok? Donc voilà, tu vas chanter et tu vas nous faire le meilleur concert du monde, ok? OK. Voilà, ça va être un peu l'improvisation. Allez, 3, 2, 1. Est-ce qu'on lance un live Coco Rasé? Ce serait bien, non? Lancer un live. Oui, non, un live. Vas-y, lance un live directement. Attends, on va faire coucou rasé, se muscle les fesses en même temps de danser. Let's go. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Allez, coucou rasé. Oui, moi c'est Coco Rasé. Je me muscle les fesses. J'aime bien les Bon, RC. attends, j'ai coupé Coco Rasé. Non, 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 Coco Rasé, c'est bon, j'ai coupé. J'ai coupé, viens, 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 viens. On va aller voir sur YouTube comment chanter parce que voilà quoi, c'est pas possible. Viens, Coco Rasé, monte, 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 Coco Rasé. Là, c'est pas possible, monte, monte. Déjà, tiens des courgettes, tu vas manger ça là, ça va un peu changer ta corde vocale parce que là, c'est plus possible là. C'est bon, là, ta musique, elle est trop éclatée, Coco Rasé. Assis-toi ici, on va faire les tutos et let's go parce que là, c'est pas possible. Regarde-moi un tuto. Moi, en attendant, je vais aller dans le jacuzzi, ok? Fais pas Okay. de niaiserie. Ah là là, Okay. enfin, let's go. Coco Rasé, là, il fait que de faire n'importe quoi, là. Moi, de toute façon, je gagne un peu d'argent, je suis tranquillou. Ah, le jacuzzi dans la piscine, qu'est-ce que c'est tranquille. C'est la belle vie de chez Belle Vie. Ah là là, on est trop bien, là, on est trop, trop bien. Attends, je regarde le dernier clip de Coco Rasé, combien il a de vues? Quoi? De vues? Non, mais Coco Rasé! De vues, ton dernier clip, là, il faut... Non, Coco Rasé, t'es... Il est parti où? Il est parti où là? Non mais c'est pas possible celui-là, Coco Rasé, j'ai pas envie de jouer à cache-cache avec toi moi. Non mais je vais jouer à cache-cache ou quoi? C'est pas possible, Coco Rasé. Non mais vas-y, casse la tête là, Coco Rasé, il est où? Il est où ce Coco Rasé? Attendez, est-ce que vous avez une idée, il est où Coco Rasé? Parce que là c'est pas possible, je dois le trouver là, sinon hein, les abonnés là ils vont tous... Aïe! Dans les toilettes en train de manger des Hershey's. Oh J'ai un my god! Qu'est-ce que Mon tu caca fais là? il est coincé. Bon, je te laisse, c'est en intimité. On va le laisser, c'est bon. Au moins, on l'a trouvé, il s'est pas enfui parce que voilà quoi, j'avais peur qu'il s'enfuit. De toute façon, c'était sûr. À chaque fois qu'on trouve pas Coco Rasé, il est dans les toilettes. C'est sûr et certain. Ok, bon, là, je vais aller voir ce qui se passe un peu dehors là. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Hein, c'est quoi ça là-bas? Hein? Un hélicoptère?
Non mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il faut là? Il y a l'armée ou quoi? Bon, je crois que c'est juste des gens qui sont en train de s'amuser là, les riches de la ville, c'est normal, ils font que s'amuser, ils font n'importe quoi là, c'est pas possible. Bon, vas-y là, Kokorazé, t'as terminé d'aller aux toilettes parce que là, il faut qu'on tourne un nouveau clip. Okay. Eh oh, Kokorazé. Ah, t'es ouais, là, Kokorazé. Bon, vas-y, viens là. Normalement, on a un clip de... On doit tourner un nouveau clip parce que là, le dernier, il a 2 vues. Je vais pas te mentir que c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà, assis-toi juste là, Kokorazé. Et attends, j'ai une idée. Tu sais quoi, on va faire un clip dans les toilettes. Ça serait trop bien, non? Oui. Vas-y, viens, on y va. Là, allez, ça va être trop bien. Ça va être la fiesta totale. Ça va être la fiesta, la vraie fiesta. Attends, là, qu'est-ce qu'il fait encore, là, cet hélicoptère, là, de Noob, là? Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il fait, allez, là, cet hélicoptère? Quoi? Vas-y, ouais, viens, on tourne dans les toilettes. Ok, let's go. T'es prêt, Kokorazé? Par contre, là, tu nous fais un truc de ouf, ok? Tu nous fais un truc de ouf, Kokorazé, ok? Vas-y, 3, 2, 1, let's go! Allez, bon, fais-nous un petit truc. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous montrer comment muscler ses fesses. Donc, en fait, tu twerks. Et okay. Tu prends des haltères. Ok, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment muscler ses fesses. Et c'est quoi que ça fait après? C'est que t'as des caca musclés, hein, Kokorazé? Oui, après, tu peux bien chanter. Exactement. Bon, j'espère que là, ça va faire 1 million de vues. Je crois que ça va faire 1 million de vues parce que voilà quoi, c'était quand même assez intéressant. C'était vraiment ouf quoi. Allez, let's go, viens, Kokorazé, je vais faire le petit montage et on le poste, ok? Ok. C'est quoi le titre? On fait quoi le titre? Comment avoir les caca musclés? Oui, voilà. Ah, ça c'est un bon titre, je crois. Ouais, je crois que c'est un bon titre quand même. Caca musclé, je crois que c'est un bon titre. Allez, on fait le montage. Et let's go, c'est parti. Let's go, attends, ok, d'accord. Bon, vas-y, attends, je vais faire le titre. Normalement, je l'ai envoyé juste ici. Et let's go. Ok, normalement, je l'ai posté. Je l'ai posté, Kokorazé. Wesh, il y a quelqu'un, il a écrit. Quoi? Tu l'as posté? Ouais, je l'ai posté, il y a quelqu'un. Mais il y a quelqu'un, il a écrit dans les commentaires, c'est éclaté la vidéo. C'est normal ça? C'est normal? Non, ce n'est pas un... Non, mais je pense que c'est un... C'est un rageux. C'est un rageux, hein? Bon, attends, on va faire un live, on va demander aux abonnés est-ce que la vidéo, elle était éclatée, parce que voilà, quoi. Il faut demander les avis des abonnés, non? Oui. Vas-y, on va demander. Allez, les abonnés, est-ce que la vidéo là où il faut comment faire les caca musclés était éclatée? Parce que voilà quoi, nous on se demande vraiment et voilà quoi. Est-ce qu'elle était éclatée? Non, on voit flou. on voyait flou le caca musclé? Parce qu'il y a quelqu'un, il a écrit ça, je suis vraiment confus. Elle était trop bien, ouais, elle était trop bien, let's go. Oui. Quelqu'un, il dit dédicace à Skander. Bah, dédicace il à Skander. On se fait cambrioler, Kokorazé, on se fait cambrioler. Viens, Kokorazé. Quoi, nos fans? Ils ont vu la vidéo. Ah oui, c'est vrai, on a donné notre adresse à Passepré. Salut. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Ben, on est des... en fait, on a tué nos parents. Ça par esprit et on a envie qu'il y a des gens qui nous adoptent, s'il vous plaît. Ah, vous êtes en train de jouer, hein? Oui. Non, on a juste tué nos parents sans faire par esprit. Je te jure, t'inquiète, tu peux nous adopter. Ah, vous êtes en train de rigoler, c'est ça? Non, t'inquiète, c'est vraiment vrai. C'est quoi, ça? Quoi, tu veux les adopter, Kokorazé? Oui, on peut faire un clip avec eux. Attends, viens, Kokorazé. J'espère que t'as acheté des coca courgettes parce que là, si il n'y a pas de coca courgettes, je meurs direct. Non, viens, Kokorazé, je vais dire. Attendez, restez là, les enfants, on va vous ramener des chicken nuggets. Viens, parce que là, j'aime c'est pas possible. Attends, tu veux vraiment faire un clip avec eux? Nul. Tu veux vraiment faire un clip avec eux? Ils sont moches. Ils sont trop moches là. Non, ils sont pas moches. Attends, c'est quoi votre nom en fait? Moi, c'est Bronzette et elle, c'est Blonette. Ok, Bronzette et Blonette, bon, un peu bizarre là. Est-ce qu'on les adopte? Les abonnés, est-ce qu'on les adopte? Parce que voilà quoi. On vous montre la chanson de notre pays. Vas-y, montrez-nous la chanson, on va filmer au cas où là, on sait jamais. Attends, vous êtes prêts? Vas-y, on est prêts. Là, moi, je suis prêt. Vas-y, je suis prêt de chez prêt là. Vas-y, montrez-nous. J'adore ça. Attends, c'est quoi? Vas-y, montrez-nous. Faites avec ça. Viens ici. Blonette. Oh oui, attends, je vais faire un petit film antique. Attends, pourquoi vous êtes en train de chanter Petit Poney là? J'adore trop cette chanson, c'est mon préféré. Non, mais enlève ça tout de suite là, on va faire moins un vue. On va faire moins 1 million de vues. Non. Stop. Il est tout petit. Stop. Non, mais Kokorazé, on peut pas les adopter.
Désolé, Coco Razé. Je vais les adopter. Non, non, Coco Razé, désolé, on peut pas les adopter là. Attends, on va faire. Par contre, j'ai faim. Non, mais c'est. Ok. On les adopte. Par contre, Coco Razé, on les adopte que pour les vues, ok? Sinon, après, on les dégage, ok? Okay. C'est quoi ça? C'est un caca chien? Quoi? Comment ça caca chien? C'est un caca avec des poils et tout ça? Non. Viens là, toi. Venez. Venez, je vais vous donner à manger. Est-ce que ça se mange? Non, ça se mange pas. Mais. Ah, c'est trop bon! Wesh, ils ont vraiment mangé. C'est quoi ça? Non, mais ils ont la mâchoire à. Non, mais c'est pas possible. Vous êtes des titans ou quoi là? Non, calmez-vous. Ça y a de l'eau. Mais comment ça, pourquoi il y a de l'eau? T'es débile, c'est une maison. Bien sûr qu'il y aura de l'eau. C'est quoi ça? Ok. On va s'organiser. Arrête de chanter, petit poney. C'est quoi cette dette que vous avez ingéré des bonbons? Coco Razé, c'est toi qui les as adoptés, donc c'est toi qui les gères, ok? Mais prends ta t-shirt et Ok. Vas-y, qu'est-ce qu'il va faire là, Coco Razé? Il sait même pas s'occuper d'un chien, alors là, s'occuper des enfants, je. Ici. Pourquoi ils sont jaunes là? Faire caca et après les manger. Ok. Comment? Attends, j'ai entendu faire caca et les manger. Oh my god, je suis choqué. Caca, pousse. Bon, non, ça va plus. Venez. Non. En fait, c'est moi votre père. Venez. Lui, il est débile. Lui, c'est un enfant. Lui-même, toi-même, Coco Razé, t'es un enfant. Non, venez, il venez, est gentil, venez. Mais ça a donné des exercices. Venez. Comment ça, il vous a donné des exercices? Caca. Oui. Comment c'est du caca, voilà. Venez. Je vais les vraiment donner à manger parce que là, c'est pas possible. Vous êtes des malades mentales. Venez. Non, mais vous êtes trop débile. Venez vous asseoir ici. Ok. Blondette et Bronzette, je crois, c'est ça? Oui. Asseyez-vous ici, je vais vous préparer un plat, ok? Je vais vous préparer un plat, comme ça vous allez manger. Et après, on va aller tourner un clip. Père, c'est quoi ça? C'est du caca jaune et du caca rouge ou quoi? Oh là, comment je vais faire pour m'occuper de. Comment ça, Coco Razé? C'est que les enfants. Toi, tu restes là, viens avec moi, toi. Va éplucher les pommes. Va éplucher les pommes de terre, toi. Je veux que Coco Razé mange avec nous. Oui, Coco Razé. Coco Razé, viens manger avec eux, ok? Comment ça, c'est quoi ces plats? C'est du poulet. C'est du caca avec du truc. De quoi? Je pense que c'est des cuisses de cheval. Non. Qu'est-ce que vous dites là? C'est du poulet. Vous connaissez pas la chanson ou quoi? Quel poulet? C'est quoi le poulet? Le poulet, c'est trop bon. Ah ouais, le poulet, c'est trop bon. Allez, Coco Razé. Le poulet, c'est trop bon. Le poulet, c'est trop bon. Non, mais. Comment ça, part de cette maison? Vous chantez petit poney? Moi, je chante. Non mais arrêtez petit. Non. Blondette, j'ai besoin de te parler. C'est bon là, c'est bon. Venez, j'ai dit à table. À table. Est-ce que vous voulez visiter notre maison? Elle est trop fraîche. Non, pas votre maison. Je sens que ça va être une catastrophe. Vas-y, montrez-nous votre maison là. Par contre, mangez d'abord le poulet, ok? Laisse-moi juste parler à Blondette, ok? Aux toilettes. Vas-y. Attends, viens Coco Razé, on va les espionner, ok? Coco Razé. On les kidnappe maintenant. Ouais, et on va les mettre dans la prison, comme ça serait trop bien. Prison? Non mais faut prendre. Non mais ils ont même pas acheté des Coca-Cola. Ils sont vraiment débiles. En plus, Coco Razé, on peut facilement les kidnapper tellement qu'il est. Non mais ici c'est la ville des débiles. Non, je comprends même pas comment on a fait pour se téléporter ici. C'est nul. En plus c'est. Tu fais quoi, Coco Razé là? C'est quoi ça, Coco Razé? Coco Razé, il a l'air un peu sympa, tu trouves? Mais viens entendre, Coco Razé débile. C'est vraiment débile. En plus ici c'est la ville des débiles là. T'as vu, ils sont en train de t'insulter. T'as vu, Coco Razé? Comment ça, il parle avec ses abonnés? T'es débile ou quoi? Non mais Coco Razé, utilise un peu ton cerveau. Ils sont en train de t'insulter là. Je sais pas, j'ai entendu kidnapping, j'ai entendu trucs comme ça, mais je suis pas. Attends, faut faire le mini mini ninja. Quoi? Mini ninja? Attends, c'est moi qui suis en train de jouer un rôle là. Non mais c'est. Baffi. Attends, mais vous étiez en train de dire quoi là? On était juste en train de dire. On aimerait juste dire que on voulait manger des caca et plein de. Des coca courgettes. Allez acheter! Ok, maintenant c'est moi et Blondette qui ont fait la loi dans la maison, alors vous allez acheter des coca courgettes! Très très drôle. Bon, vas-y, allez vous nous montrer votre maison là, bande de petits. Non, bande de petits là, ils font que créer les histoires. C'est moi qui conduis. Elle est trop bien, mais c'est impossible, tu l'as cassé la voiture! C'est quoi cette voiture? C'est pas une voiture ça, c'est un tank!
Non, c'est vraiment une voiture. Non, 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 c'est pas une voiture ça. C'est pas une voiture du tout ça. Non, 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 les abonnés. Les abonnés, on est d'accord, ça c'est pas une voiture normale. Laisse-moi où vous avez trouvé ça? Non, t'es quelle que tu conduis? Non, c'est moi qui conduis. De quoi? C'est moi qui conduis. Vous avez même pas le permis, bande de débiles. Et arrête de mytho, c'est très bien conduit. Attends, non, c'est pas possible là. C'est qui conduit là? Non, non, mais on va faire un accident 100%. Hein. Oh, non, non, non. Oh, on a cassé les roues en fait. Oh comment my god. Mais vas-y là, comment va là votre maison, bande de débiles? Oh, c'est trop drôle, regarde. On peut jouer avec des roues maintenant. Bon, vas-y, coucou Razé, sors-nous ta voiture là. Sors-nous ta voiture, je crois qu'elle est derrière la maison. Non, mais c'est juste une roue, arrête de pleurer pour ça là! Bah alors t'as qu'à l'acheter, espèce de débile! En plus, non, c'est quoi cette ville? C'est une ville de débile! Attendez deux secondes, je vais aller parler avec mes abonnés parce que là c'est trop bizarre là! Les abonnés, vous avez vu là? C'est quoi ça? Ils sont trop bizarres! Attends, je veux. Mais c'est quoi cette. Mais c'est quoi ce véhicule là? Non mais c'est pas possible! Coco rasé! Branquette. Oh my god, vas-y, je dois sortir moi. Attends, aussi ce truc là. Comment tu... Oh, vas-y là, vas-y, c'est pas possible. Et comment vous avez fait pour le sortir? Viens là, je vais t'expliquer comment on a fait là. Ah, viens là, j'ai dit. Non, toi tu marches. Rosette. Jamais la vie. Vite, vas-y, de toute façon là, je préfère courir moi que rester dans vos... Dans... C'est quoi ce véhicule? Non, véhicule de Wish. Véhicule commandé sur Wish. Non mais c'est pas possible ça, vraiment, vous êtes vraiment débile. Bon, en plus, vas-y. C'est quoi ça? C'est de l'eau avec du caca, c'est sûr. Bon, vas-y là, ils vont tous, toutes les villageois là, toutes les civils vont nous prendre pour des malades mentales. Allez où votre maison? On chante la chanson des débiles et des... Non, là on est dans un endroit public, il faut respecter les gens, ok? Petit poney, oh. Petit poney. Bon, vas-y, je vois ça. Petit poney. Oh my god, pourquoi on est là, Coco Rasé? Pourquoi on est là? Comment ça téléportation? Comment ça téléportation là? Qu'est-ce que me dit celle-là? Comment ça téléportation là? Regarde, téléportation. Vas-y là. Attends, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi ça? C'est quoi? Attends. C'est la ville des. Mais elle est où votre maison là? Il faut nous dire là. Elle est où? Elle est par là, par là-bas. En fait, moi et Blonette, on va se téléporter. Et vous devez vous débrouiller. T'as cru que t'étais dans Avengers ou quoi? Téléportation, mais va dormir. Téléportation. Elle est où? Téléportation. Elle est où? Blondette, Bronzette, ils sont où? C'est parti. Attends, t'as un odorat à développer, toi. Essaye de les sentir là. Et en plus, il puait trop la courgette. Ah, elle est là. Ah, comment ça va? Mais ta soeur, elle a disparu là. Mais non, il est juste ici. C'est quoi ça? C'est notre maison. Non. Coucou Razé là, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'il nous fait de renifler là? Est-ce que je peux t'adopter? Ah, ça va. Ok. Blondette, viens tout de suite ici. Non mais c'était quoi ce reniflement là? C'était le t'es constipé du nez ou quoi là? Non mais c'est pas possible. Comment ça? Mission B. Ok, mission B. Venez rentrer. Comment ça mission B? Mais non, mais non, moi jamais de la vie je rentre là. C'est pas votre maison là. Revenez ici, vous allez vous faire tuer. Allez, Coucou Rasé, suis-nous, t'inquiète. Coucou Rasé, suis les pas hein. Coucou Rasé. Non, je vais rentrer. Non mais qu'est-ce qu'il est naïf. Bon vas-y les abonnés, je vais rentrer parce que là je dois pas laisser Coco Rasé tout seul, sinon ça va être la 4ème guerre mondiale. Okay, vas-y, oh my god. Non mais chut, faut parler doucement là, c'est sûr qu'il y a les militaires ici, nous voit on est mort. Ok. Oui, c'est vraiment un pistolet. Donc Coco Rasé, personne touche à ça les enfants. Ça c'est pour ça, c'est pas des vrais pistolets, c'est en plastique débile. Bon vas-y. Pourquoi c'est du métal, on dirait du métal là? Pourquoi c'est lourd comme ça? On l'a fait en métal en fait. Hein? On l'a fait en métal. Mais pourquoi tu m'as dit que c'était du plastique? Ok, vas-y. Ok, rentrez ici, il y a plein de orches. Blanchette, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as dans les mains, Coco Rasé? Lâche ça. Non. Rentrez ici, il y a plein de bons trucs. Non. Coco Rasé, au secours, il va exploser. Non, c'est bon, c'est la fin du monde. Moi, j'ai pas envie de mourir, je suis jeune. Non, explosez rien. Non, mais faites pas exploser, bande de débiles. Maman, oh my god. Mais rentrez ici, il y a beaucoup d'or. Comment ça, il y a de l'or ici? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Coucou, c'est quoi que tu vas arrêter de danser là? Ah, vous a piégé, espèce de débile. Ah, vous êtes très drôle. Bon, vas-y, on peut sortir là, s'il vous plaît? Non, mais vous avez cru que vous êtes qui, vous? Ah, vous êtes trop drôle, c'est trop cool, c'est trop drôle. Bon, vas-y, laissez-moi sortir là. J'ai du travail, moi, hein. Je dois aller plus des chansons de Coco Rasé. Vous mangez à 2h, je m'en fiche. Comment ça, manger à 2h, c'est quoi? Tiens, je te dis, je te
coco rasé parce qu'il est gentil. Oui. Mais t'inquiète, moi je veux pas ton caca archèse là, non. Mais non, bah vous mangez. Moi je passe à coco rasé, c'est du caca là. Oh my god, il est naïf. Bon, coco rasé, si je te dis. Si, coco rasé, si je te dis de sauter par la fenêtre, tu vas le faire. Yo, viens, oui. Bronzette, on comment va ça, commencer oui. à mettre du feu ici, comme ça on va les brûler et on va les manger. Non, mais il rigole là, j'espère, hein, coco rasé, il rigole là. Non, mais. Maman, on est bien ici. Comment ça on est bien ici? T'es fou toi? Y'a deux meufs super méga moches avec la tête on dirait le poire et tu dis qu'on est bien ici? Non mais calme. Oui. Non mais vous pouvez nous sortir s'il vous plaît? On les cuit, on cuit les coca courgettes. Attends, il parle de quoi là? Il parle. Parce que je préfère les coca courgettes. On est d'accord, il parle du poulet hein. Bon vas-y, oui. On va les cuire comme ça. Attends, on leur donne. Attends, non. Coca courgette, c'est trop bon. Je crois que j'ai mal. Oh merci, pourquoi vous nous avez laissé sortir? C'est pas moi qui vous l'a laissé sortir. Ah, elle est bloquée. Voilà. Mais qu'est-ce que... Rentrez direct, sinon on va vous tuer avec ça. Comment ça, t'as cru que j'avais peur de ça? Moi, j'ai pas peur du tout, hein. T'as cru que j'avais peur de ça? Bah oui, je suis sûr. Vas-y, viens, coucou, on se casse ici, là. C'est bon, désolé. Quoi? Attends, c'est le vrai? Oui. Non, c'est pas possible. Allez, partez à droite tout de suite, sinon on vous tue direct. Comment ça dormir. Comment non, là c'est plus possible, j'appelle la police tout de suite là. Donne-moi ton téléphone, tout de suite. Mais j'ai pas de téléphone, coco rasé, t'as ramené le téléphone j'espère, coco rasé. Explosion. Mais on a de la... Ah merci pour ton téléphone. Non, je dois appeler les abonnés là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va brûler ton téléphone. Les abonnés là, aidez-nous là, qu'est-ce qui se passe là? Super bon, les... Attends, je vais lancer un live, comme ça les abonnés vont nous aider là. Regardez, il y a deux têtes de poire là, ils sont en train de nous kidnapper, au secours, la police, aidez-nous, appelez la police, est-ce que y a des abonnés qui peuvent appeler la police? Il va même pas vous croire. Non, s'il vous plaît. Explosion pour que ça arrête le live tout de suite. Non, j'ai ma caméra, comment je vais faire moi maintenant? Coucou rasé. Venez votre petit déjeuner, tout de suite. Non mais coucou rasé, je crois que tu comprends pas la situation en fait. Non, là. Tenez votre déjeuner, kidnappé. Sinon je vous tire. Attends, déjeuner, Coca-Cola, mais va dormir, toi, jamais je bois ça. Okay, je sais même pas ce qu'il y a. T'es sûr là? Non, c'est bon, je bois ça, passe-le-moi tout de suite, c'est très très bon. Passez-le-moi, je le bois maintenant, tout de suite. Coca, c'est ça, Coca? Ouais. Très bon, Coca, hein, c'est magnifique. Hein, coco rasé, c'est bon les Coca-Cola. Hein. Bon, vas-y, viens, Bronzette, on va faire quelque chose. On va lancer des coca courgettes partout dans le monde. Vous savez que je sais où il y a des coca courgettes très très bons, hein, succulents, elles sont XXL en plus, hein. Ils vont vraiment. On les a tous volés. Non, un XXXL, vraiment incroyable. Arrêtez de parler. Si je vous hante encore, je vous jure, je vous tire. Ouais. Non mais je te jure, j'ai vraiment un coco rasé, hein. En fait, je suis trop musclé de les faire. Je peux le café. Ah oui? Bah attends, mais vas-y, que ça brille avec tes fesses? La mission! Attends, mais. J'espère que t'es pas en train de me rigoler dessus parce que là, j'espère que t'es vraiment capable là. Attends. Ah, coucou rasé! Mais t'es trop chiant! Ouais, j'ai bien fait de te faire muscler les fesses, c'est trop cool ça! Bon, vas-y là, qu'est-ce qu'on fait? Viens, on se cache. Oh non, ils sont là, je les attends! Ils y arrivent! Viens, cache-toi! Oh non. Mais on va faire brûler la ville! Ah, ce serait vraiment beaucoup! T'as vu, ils voulaient nous brûler, on a de la chance, ça s'est enfui! Coucou rasé! On va brûler toute la ville! Comme ça, maman! On va avoir un an! Mais ils sont où? Viens, on va les enfermer, coucou rasé! Fais vite, coucou rasé, vite! On s'enfuit, c'est par où? Ils sont où? Les bloqués! Escalade! On va où là? Ok? Par ici? Ici! Ils savent pas où on est! Ils savent pas où on est! Coucou rasé! Allez, vite! Ah! Oscar! Coucou rasé, putain! Comment on va faire, coucou rasé? Coucou rasé, t'es où? Oh non, je suis tombé. Ah, oh, je les ai braid. Allez, comment ça va les victimes? Au secours. Bon, les abonnés là, aidez-nous, on part par où? Comment je pourrais laisser? Mais ouais, c'est quoi ça? C'est le labyrinthe ou quoi? Non, mais c'est pas possible là, aidez-nous. Tiens, coca ici, regarde, coca ici. Tiens. Ah, coca! Mais ça, vite! J'ai réussi. Oscar, je vais mourir. En fait. Non, tu sais, en fait, c'est que j'étais en train de courir pour faire oui, je viens. Je tire. Oui, je vais vous suivre. Ah, je vais vous suivre. Oh non, mais là. On voit tout noir. Attends. Je suis un mur, personne me regarde, personne me voit. Il y a du coca courgette.
faites explosion. Ils sont en train de crier, faites pas de bruit, les abonnés. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si vous venez pas tout de suite, on va détruire toute la ville. Attends, 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 mais Coco Rasé, il est où? Coco Rasé? Attends, attends, je dois absolument l'appeler. Attends, 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 je dois absolument l'appeler. Là, est-ce qu'il y a un téléphone quelque part là? Attends, mais c'est quoi ça? J'espère qu'ils l'ont pas tué. Attends, mais c'est moi? C'est... Ça sent le brûler! Ils ont vraiment fait brûler la ville! Non, mais c'est pas possible, là, on est où? Je suis où là? C'est quoi ça? C'est le labyrinthe? Non, mais c'est quoi ce labyrinthe? Comment je vais faire moi? Je suis où là? Non, mais c'est pas possible, les abonnés! À votre avis, Coco Rasé, il est mort ou pas? Moi, Blonnet, je dis Coco Rasé, il est mort. Tout de suite les chercher! Je les entends! T'inquiète, je vais partir les chercher! Et dis-le 5 secondes, s'il vient pas à la présent, je vais détruire la ville! Quoi? Okay, détruire la ville? Attends, mais déjà que là, ils ont brûlé la maison, ils veulent détruire la ville. Non, mais c'est des malades mentales. J'ai cru que c'était des enfants, moi. Non, mais c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce qu'il y a? On peut ouvrir ça? On peut ouvrir ça? Non, mais je suis bloqué là. Il y a un cul de sac. Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, mais comment je vais faire? Attends, attends, je vais appeler Coco Rasé là. Je vais appeler Coco Rasé. Normalement, attends. Attends, 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 attends. On va brûler le téléphone de. Oui, j'ai une application. J'ai une application pour appeler Coco Rasé. Allô, Coco Rasé? Allô? Non, 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 c'est mauvais signe, ça. Coco Rasé, il est sûrement mort. Coco Rasé, au secours! Coco Rasé, est-ce qu'à votre avis, Coco Rasé, il est mort ou pas? Sors, vous voulez que j'aille où? Je vais où, les abonnés? Je vais où? Je vais où? Par là, ok, normalement par ici. Attends, je les entends. Oh. Coco Rasé, t'es là, mec? Oh, oui. Coco Rasé, j'ai eu trop peur, mec, j'ai cru que t'allais mourir, mec! Vas-y, viens, viens, on se casse là, t'es. C'est quoi ce labyrinthe là? J'arrive même pas à sortir. C'est quoi ça? Voilà. Oh. Attends, c'est vraiment en train de brûler. Ah, ça pue! Mais ça, mais ça. Oh, secours! Enfuis-toi, Coco Rasé, enfuis-toi! Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible! Hélicoptère! Coco Rasé! Mets l'hélicoptère! Hélicoptère! Tout de suite! Ok, venez tout de suite, sinon on va brûler toute la ville! Ok, désolé, désolé, je me rends, je me rends! Lève tes mains tout de suite! Oui, oui, je lève mes mains, je lève mes mains! Coco Rasé, débilos! Oui, oui, je lève mes mains, c'est bon, ne me tuez pas, s'il vous plaît, je tiens à ma vie! Non, non, moi je tiens à ma vie, hein. Moi j'ai encore plein de trucs à faire dans la vie. Ok, on va voir. Tu vas pas me faire une blague, tu vas me suivre jusqu'à commissariat. C'est quoi ton ordinateur? Quoi? Ça, non, s'il vous plaît, redonnez-moi l'ordinateur. Non, voilà, on l'a tiré dessus. Non, mais ils ont cassé mon ordinateur, la seule chose qui me restait. Viens, attendez. Attendez. Coco Rasé, qu'est-ce que t'as dans les mains? Non. Coco Rasé. Coco Rasé, passe-moi ce que t'as dans les mains. Coco Rasé, passe-moi ce que t'as dans les mains tout de suite. Merci Coco Rasé. Non, ça en fait c'est un Coca XXL en fait, c'est ça. Passe-le-lui tout de suite. Tenez dans votre tête. Allez Coco Rasé, viens, on s'enfuit, vite. On va où Coco Rasé, on se casse. Labyrinthe? Tu veux encore aller dans ce labyrinthe de mort? Non mais vas-y, là, oui. On va encore se perdre là, Coco Rasé. J'espère que t'as une bonne mémoire. On va où? Ok, ok, ici. Allez, allez. Ok, normalement je les entends plus, on les a semés. Ah ouais, mais ils aiment. T'es Coco Rasé. Ah! Secours, je suis pas bon en gymnastique, voilà. Moi là. Comment tu fais, Coco Rasé? Là, muscler les fesses, en fait, c'est très intéressant, hein. Tu deviens fort, hein. Bon, oui. Ok, vas-y, let's go. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire. Mais non, là, on se casse, demi-tour! Demi-tour tout de suite, Coco Rasé, viens, on se casse! Demi-tour, on doit se casser le plus vite possible! Arrête, tout de suite, où je tire! Je te donne ça! Ah, mais t'es bon en négociation, hein, Coco Rasé! Bon, j'espère que. Qu'il va. Mais Coco Rasé, je t'ai cru que t'étais en train de négocier! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, en fait. Je savais que cette fille est vraiment débile! Allez, partez, je veux pas! Mais en fait, vous êtes qui? Dites-moi, vous êtes qui, sérieusement? Dites-moi vraiment, vous êtes qui? Vous êtes des enfants? Vous êtes quoi avec vos têtes de poire là? En fait, je vais vous expliquer. En fait, on était dans notre ville et après une grosse explosion à cause de vous. Vous avez tout explosé notre ville. Les pauvres. Vraiment, je m'en fous complètement. Tiens dans la tête. Allez, on se casse, Coco Rasé. Cette fois, vraiment, on se casse pour de vrai parce que là, c'est pas possible. Je peux plus rester ici, moi. Je vais vous laisser. Oh, des toilettes? Oh, mais c'est trop satisfaisant. Attends, j'ai un petit caca à faire là, s'il te plaît. Ne venez pas me déranger. J'ai un petit caca. Ok, c'est bon. Normalement, c'est fait. Maintenant, c'est où la sortie? Oh, c'est ici, normalement. Oui, j'ai réussi. Ah! Attends, non, mais comment je vais sortir là? C'est barricadé le truc. Comment je vais faire? Coco Rasé. Par où, Coco Rasé? Oh, Coco Rasé, t'es trop intelligent, mec. Mais t'es trop intelligent. Allez, on saute. Ah, il met bien, Coco Rasé. Moi, je suis pas musclé des fesses. On se casse. Comment ça, téléportation? J'ai peur là, j'ai cru qu'elle allait se téléporter devant nous là, mais on n'a pas dans les Avengers là. Oh non, Blonnet, on a encore échoué! C'est n'importe quoi! Coco Rasé, on se casse. Chut, Coco Rasé, fais pas de bruit, ok? Il est où le bunker là, Coco Rasé? Quel bunker là, tu me parles toi? En bas. Quel bunker là? Qu'est-ce qu'il me dit celui-là?
en haut, en bas des étoiles là. C'est pas possible, ça croisé à un moment. Elle est là. Elle est là, ah ok. Parce que c'est pas un bunker, ça croisé. Il va nous trouver en deux secondes là. Faites pas de bruit, en plus on est au milieu de la ville, Cocorazé. Ferme les volets, Cocorazé, ferme les volets. Là on doit discuter parce que là ce qui nous arrive, c'est illogique. Qu'est-ce qui se passe, Cocorazé? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. T'as fermé les volets? Ok, t'as fermé les volets. Viens, viens, on va dans les toilettes, l'endroit le plus sécurisé de ce on truc. On explose la porte avec les explosifs. Attends, on va barricader quelques trucs. Dame, normalement, Bob le bricoleur. Allez. J'ai vu un tuto sur YouTube, normalement ils peuvent pas rentrer ici. Normalement, de chez normalement, ils peuvent jamais rentrer. Ok, c'est bon. Normalement, le mec, en plus, le YouTuber, il s'appelait Bob le bricoleur, 1, 2, 3, 4, il était trop bien, non? Bon, on est un truc sur leur t-shirt, on peut les entendre. Quoi? T'as mis quoi? Un truc sur leur t-shirt. Mais t'es sérieux qu'on croisait? Je savais pas que t'étais autant intelligent, t'as mis un truc sur leur t-shirt. Donc là, on peut entendre ce qu'ils disent. Oui. Ah bah vas-y, active le truc. Non, je suis une mission, mais non, on doit exploser la porte. Non, j'arrive pas. Je l'ai fait mille fois. C'est bon, j'ai réussi. Un, deux, trois. Attends, il parle de quoi là? Il parle de notre appartement là, Coco Rosé? Non, mais là, je comprends pas, Blonette. C'est vraiment nul. Je t'avais dit de faire des musculations aujourd'hui. Croisez là, où on doit aller? Où on doit aller? Attends, on demande aux abonnés. Attends. Ces haltères et tu vas faire du sport pendant une heure. Je ferme le téléphone. Ouais, ferme le téléphone là, c'est bon, sinon ils vont voir le bruit. Viens, on se cache où? Oh, Cocorazé, viens. Regarde, ici, Cocorazé, ici. Attends, il reste juste. Ici, Cocorazé, regarde, ici. Il reste. Cocorazé, ici. Dernière explosion. Après, on détruit la porte. Viens, on fait du bruit comme ça, ils vont être là et après on passe, ok? On a détruit la porte. Chez moi, la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça, toucher à tout. Je m'appelle Caillou. Venez chez moi, je suis dans les toilettes. Petit poney. Non, petit poney, non. Par contre, abuse pas là. Petit poney, ça ira. Tu veux que mes oreilles se déglinguent ou quoi? Moi, Caillou, je suis fan de Caillou. Donc, tu chantes Caillou, ok? Ok. Vas-y, shot Caillou, là en plus je vais en profiter pour tourner un truc. Parce que là de toute façon s'ils nous trouvent là ils pourront jamais trouver notre cachette secrète. C'est sûr là ils vont aller dans les toilettes et nous on va s'enfuir, ok? Attends, j'ai une idée, bronzette. Attends, mais active le truc comme ça on entend ce qu'ils disent. Active. Parce que là vraiment on doit absolument entendre. Attends. Attends, j'ai une idée, bronzette. J'ai une idée, on va prendre un chariot. Ok. Ils vont prendre un chariot. Qu'est-ce qu'ils vont faire un chariot? On va y aller dans leur balcon et on va ouvrir la porte. Ok. Mais là, t'es trop grosse! Cocorazé! Qu'est-ce que je l'ai mis là? Cocorazé, j'ai dit d'enlever Petit Poney! Non, mais c'est pas possible! Non, mais moi j'aime bien! Non, mais Cocorazé, s'il te plaît, pas Petit Poney! Tout sauf Petit Poney! Parce que si je vais te lever, ok? Mais c'est fini, marre là! Petit Poney! Oh là là, j'en ai marre! Cocorazé, t'as bien nous fermer la maison, hein? Oui! Ok, donc là, ils peuvent pas rentrer, c'est ça? Oui. Ok. Vas-y, il faut qu'ils puissent rentrer. Essaye de l'ouvrir comme ça. On va les ouvrir parce que sinon ils vont rester devant toute la nuit. On pourra pas s'enfuir. C'est bon, t'as ouvert? Oui. Ok, let's go. Mais par contre, allez, Petit Poney là. Enlève, s'il te plaît. Allez, je te passe un airchase, t'enlèves. Non, mais c'est pas ridicule. Ah, merci, Cocorazé. Bon, je te passe pas d'airchase. Pourquoi elle va s'ouvrir cette porte? Elle m'énerve. Attends, mais Cocorazé là, tu leur as ouvert la porte ou pas là? Ils disent qu'ils arrivent pas à ouvrir la porte là. Oui, j'ai ouvert. Ah, t'as ouvert, ok, nice. Ok, là il faut que les attendre. Venez, on est là, on est dans les toilettes, on est en train de faire caca. Je vais aller chercher tes coca-cochettes, c'est bon. Non, c'est bon, j'en ai. Attends, mais ils ont réussi là ou pas là? C'est des noobs ou quoi? Ils sont où? Où vous êtes? On a des airshakes. Des airshakes. Ils sont très bons, ces airshakes. On est dans les toilettes, C'est courgette, c'est courgette. Cocorazé, fais attention là. Airshakes sont vraiment bons. J'ai vu. Tu vois là, moi je vais éclater la porte, les poutres de toilettes là. Parce que c'est un peu stoulant un peu. Cocorazé, 3, 2, 1. On se casse, Vite, on se casse. Cocorazé, putain. Non, pas ici, Cocorazé, viens. Ok, d'accord. On va où, Cocorazé, là? On va se faire tuer, sinon. Voilà. Cocorazé, on va au cinéma, là? Mais non, tu vas t'écouter un film. Cocorazé, là, on est en pleine situation de mort. Non, mais Cocorazé, on va vraiment plus. Non, mais il est débile, Cocorazé, on va se faire tuer, là. Viens, on fait comme si on était... Attends, j'ai des masques. Tiens, un masque. Prends un masque, comme si on était des gens par rapport, ok? Tiens, normalement, j'ai des masques. Qu'ils étaient en cinéma, alors on va y aller au cinéma. Okay. C'est popcorn. Moi, je m'appelle Claudette. À vous, il est cool, le film, hein? Quoi? $50 pour des popcorn? Non, jamais de la vie, je paye. Moi, je... Oh,
Alors bonjour, moi je m'appelle Claudette. J'adore. Oh, la coco rasée, t'es un faux, ça veut dire. Oui, en fait. Et coco rasée. Non, mais lui c'est pas le vrai coco rasée, c'est un fan en fait. C'est un fan. Oui, je suis un fan moi. Coco rasée, je t'avais dit de mettre un masque. Oui, en fait mais c'est un fan. Non, moi je m'appelle Claudette. Allez, ciao. Bon, vas-y, on se casse, coco rasée. On va où, vas-y, coco rasée là, il est mort là. Aïe, mes fesses, au secours, ça brûle. Aïe, les balles. Je dois aller où? Aidez-moi, la police. Attends, c'est bon, vous avez tué même. C'est bon, je me rends, désolé, c'est okay, bon. Coucou rasé, désolé, on peut plus rien faire. Bon, ils sont en arrestation. Enlevez-vous. Pourquoi tu m'as mis. Coucou rasé. Ouais, on se casse, allez. Coucou rasé, tout ça tombe. Coucou rasé, j'arrive pas à venir. Ah. Tu t'es pris la tête, mais c'est qui t'a. Ah. Coco rasé, t'es le plus gros okay, des nuls. Tu sais quoi, si tu ne viens pas, suis-moi tout de suite. Oui, c'est bon, je vous suis, désolé. Coco rasé, c'est bon, je te laisse là. Débrouille-toi. Laisse-moi te tuer, Coco rasé, tout de suite. Laisse-moi te lever. Vas-y, okay. Vas-y, là, lève-moi. Fais tout ce que tu veux de moi, c'est bon, je me rends là. Téléportation. Non, mais vous avez des super pouvoirs, c'est quoi ça? Oui. On est là. Non, mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Vous êtes à la prison, t'es tout. Vas-y, là, je peux faire de la muscu, s'il vous plaît, dans la prison. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes en train de faire de la musculation ou quoi, là? Ouais. C'est pour la musculation. Bon, vas-y, là, j'ai pas envie d'aller en prison. En plus, ça pue, là, dans cette prison. C'est bien fait, pourquoi on a fait une odeur vraiment très bonne? Et Coco rasé, il est où? C'est pas tes affaires. S'il vous plaît. Va à droite. En plus, j'ai plus de la bouche dans ce masque là. À droite, c'est où la droite? C'est là ou là ou je sais pas. Moi, c'est quoi la droite là? C'est où la droite? Bah, je sais pas. J'ai appris ça dans la ville des débiles. Bah alors, arrête de me demander d'aller à droite. Tu sais pas c'est où la droite? C'est sûr, je t'attends. C'est bon. La droite, c'est ici, je crois. La droite, c'est ici. Je suis très bien dans la droite. Hein. Vraiment, c'est incroyable la droite. Avouez les abonnés. On aime trop la droite. Non, ça pue trop. S'il te plaît, laisse-moi partir là-bas. Ok. Mais pourquoi je vais faire une autre diarrhée comme si ça va plus puer? Non, mais j'ai pas envie. En plus, là, le diarrhée de Brosette, là, est plus trop. Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mercaz, le coco rasé est où? Coco rasé, moi, coco rasé. Je me casse, labyrinthe de mort. Encore une fois, j'en ai marre de ce labyrinthe, là. Attends, j'ai une idée. Si. Oh, bah attends, j'ai trop une bonne idée. Au secours. Tiens, dans ta poche. Là, ça marche, j'ai mis la protection. Quoi? Elle a mis un masque. Bah moi aussi, j'ai mis un masque. Au secours, aidez-moi. J'ai coupé tes pieds, tu peux plus marcher. Mais bien sûr que je peux marcher, espèce de débile. Je m'avais pas coupé les pieds. Attends, l'hélicoptère, s'il te plaît, l'hélicoptère, sinon je vais mourir. Attends, ils sont là. Pas de bruit, je dois pas faire de bruit. Les abonnés, l'hélicoptère, s'il vous plaît, l'hélicoptère, là, il est où, cet hélicoptère, là? Attends, est-ce qu'il y a l'hélicoptère dans... Oh, mais là-bas, il y a un hélicoptère. Coco rasé, viens, l'hélicoptère, on se retrouve à l'hélicoptère. Coco rasé, on se retrouve à l'hélicoptère de la police, je compte sur toi. Allez vite, je dois me casser, là, il m'a entendu, là, je dois faire... Aïe, mon pied. Non, je peux plus vraiment... Non, s'il vous plaît, laissez... Non, ok, je ne veux rien attendre, tout de suite. Coco rasé, ok, c'est bon, madame, inquiétez-vous pas, moi, je reste là. Vraiment, moi, je me rends... Je vais aller chercher Coco rasé dans le commissariat. Non, Coco rasé, il sait pas c'est quoi le commissariat. En fait, pour lui, le commissariat, c'est arrête, je veux. Non, mais je suis en train de vous aider parce que j'ai envie d'être dans votre équipe. Arrête de dire n'importe quoi, je te crois plus. Non, mais je vous jure. Vous croyez qu'on est débiles, hein? Vous êtes vraiment dans les trucs des débiles. Non, pas du tout. Nous, on est des agents vraiment très forts, on croit à personne. Oui, continuez à croire à personne. Continuez à croire personne. Ouais, alors fais-toi, Coco rasé. Oh, fais-toi, Coco rasé, débilos. Oui. C'est bon, il sait pas conduire, t'as dû me laisser conduire. Ok, c'est bon, on a réussi. Bon début, bah. Par contre, Coco rasé, là, il faut que tu achètes le permis, là. C'est quoi? Oui, ça? Ouais, on a réussi. Let's go. Let's go. Alors, attends, mais active le truc pour qu'on les entende. Active le truc pour qu'ils les entendent pour voir ce qu'ils disent. Par contre, okay, Coco rasé, là, on va mourir, là, arrête, là. J'ai le mal de tête, là. Attends, ils disent quoi, là? Ah, c'est ok, donc c'est toi qui l'as volé de eux. Mais t'es trop intelligent, Coco rasé, t'es le boss des boss. Mais comment on va faire alors? Je sais pas, viens, c'est un foot. Non, mais t'es débile. Non, mais là, je suis sérieux, là, je m'en fous. J'ai envie juste de manger des courgettes ici, bon, et de boire. Yes,
T'imagines, nous oublier Coco Croisé. Oh, ça va être la belle vie. Par contre, Coco Croisé, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te remettre à l'endroit? Par contre, si. Mais c'est pas comment conduire. Oh my god, Coco Croisé. Par contre, s'ils prennent l'autre hélicoptère, on est mort là. Là, on est mort. Mais viens, s'achète une glace au Coca Courgette. Ouais, mais attends, si ils nous entendent, ça veut dire qu'ils nous entendent. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez venir faire un foot avec moi? Un foot avec eux? Oui, venez faire un foot avec nous. Coco Croisé, dis-moi pas que tu vas y aller. Coco Croisé, dis-moi pas que tu vas y aller. Oh non, mais Coco Croisé, arrête de faire tout ce qu'on te dit. Va pas faire le foot avec eux, ils vont te tuer, Coco Croisé, ils vont te tuer. Okay. Non, pas un foot avec eux. On va aller tout en haut alors. Quoi? On va aller tout en haut. Ah oui, ça c'est bien. Par contre, tu veux aller dans l'espace ou quoi là? Qu'est-ce que... Oui. Non, pas dans l'espace, c'est bon, va faire un foot avec eux, c'est mieux parce que là, je sens que... Tu vas les réparer. Quoi? Tu vas les réparer leur espace. Comment ça, tu vas les... Non, mais... Non, aidez-moi, s'il vous plaît, les abonnés. Attends, je vais appeler les abonnés parce que là, c'est pas possible. Les abonnés, est-ce que soit on part, je fais confiance à Coco Croisé, on part en haut et on se fait... Oh, c'est... Et notre hélicoptère, il explose. Ou sinon, je saute et j'essaye de tomber dans la piscine. Je fais quoi? J'essaie de tomber dans la plage. Mais, ah, Coco Croisé, est-ce que tu peux aller un peu à droite, là? Tu vois, un peu à droite, là, tu vois, comme ça, on va aller à l'espace plus rapidement. Est-ce que j'essaie? Okay. Est-ce que... Oui. Le foot, saute. Vous voulez que je saute? Mais vous êtes débile. Bon, Coco Croisé, on va aller dans les... Non, va vers... tu vois, vers la plage, là. Comme ça, c'est l'espace là, va être axé plus facilement. Non mais les ah, ils font du foot. Dites-moi pas que vous allez entrer dans leur jeu. Dites-moi pas que vous voulez que j'aille faire un foot avec eux. Parce que là c'est sûr à 100% que c'est un piège. Moi j'allais faire le foot. Non. Oui. Les abonnés, dites-moi que vous voulez pas aller faire le foot. Dites-moi si vous... Qu'est-ce que tu fais là, Coco Croisé? Va vers la plage là. Va vers la plage. S'il vous plaît, Coco Croisé, faire du foot avec nous. Quoi? Attends, attends, mais ils savent qu'on les entend. Oh my god. Je suis bloqué. Saute. Bon, désolé Coco Croisé, mais... Je vais sauter. Ah, au secours, je vais pas du tout tomber dans le truc. Je dois prendre le truc. J'ai entendu quelqu'un sauter. Aïe, j'ai trop mal. Au secours, aidez-moi, je suis bloqué. Ok, je vais te lever. Attends, t'es où? Non, pas toi. Coco Croisé, aide-moi toi avant qu'elle vienne nous tuer. Je vais pas. Coco Croisé, arrête de me piler dessus! Non. Merci. Ah, mais vous êtes gentil en fait? Ouais, mais gentil. Dis-moi pas que vous êtes gentil, après vous allez être méchant directement là. Non, venez, je suis avec un foot avec vous. Vas-y, regarde, moi je suis Ronaldo 2.0. Allez, c'est moi qui fais mon foot. Si on gagne, vous nous laissez tranquille. On va faire une surprise, My Blooded. Partez ici à côté du goal, vous deux, et on va faire une grosse surprise. Comment ça, une grosse surprise? Non. Non, on va faire un foot. Et si on gagne. Là, ça pue vraiment ce masque, je vais l'enlever parce que là, c'est plus possible. Regardez, mettez-vous en arrière, on va vous donner plein de bonbons. Des bonbons, j'aime pas les bonbons en fait, moi. Alors, tu veux quoi? Je voudrais bien que tu dégages parce que ta tête, elle est vraiment moche. Ta tête de poire, là, vraiment très très moche. Non, je rigole. J'aimerais bien une petite pointe de pizza, s'il vous plaît. Ok, tourne-toi et on va faire la téléportation pour te chercher tout de suite. Ok, mais j'aimerais bien jouer au foot en fait. Oui, attends, Coco. J'apprends le foot, je suis Ronaldo. Oh, le dribble. Non, allez, Coco Croisé. Non, ok, let's go. Non, je vais marquer. Mais je peux pas, c'est trop con. Non, ok, let's go. Ok, les abonnés, on est trop fort là au foot. Là, on est trop. Si on gagne, vous partez. Coco Croisé, viens, ouais. Attends, juste un truc. Time out, je suis l'arbitre. Je t'ai mis des menottes sur tes pieds et sur tes mains. Mais pourquoi t'as fait ça? Non. Il va marquer. Attends, mais ta pote, elle s'en fout en fait de toi. En fait, elle veut que jouer au foot. Ok, vous êtes sûr? Explosez. Bah, pas sur moi. Non, mais pas. Oh, j'ai eu peur là. Oh, il va passer. La balle est où? Je vous ai mis des menottes sur vos pieds et sur vos mains. Mais vas-y, là, je peux plus bouger. J'ai envie de jouer au foot, moi. C'est la triche, ça. Vas-y. Vas-y, Coco Croisé, là, aide-moi. En plus, elle n'arrête pas de me porter. C'est quoi ça? C'est moi ton père, non? Je croyais que je t'avais adopté. Casse la tête. On va boire un peu de jus. Va prendre. J'espère que t'as fait du sport aujourd'hui. Oui, t'inquiète. Ben, laisse Coco Croisé. Ok, t'inquiète. J'ai un cadeau pour vous. Coco Croisé, est-ce que tu peux détruire mes menottes avec tes fesses, s'il te plaît? Laisse-moi te laver, Coco Croisé. Téléportation. Oh non, pas ça. Pas de téléportation. J'en ai
par moi, vous pouvez pas me laisser tranquille. Et, mais pourquoi t'arrêtes pas de jouer, c'est un tapis mais roulant pour quoi. Faire des muscles. Mais c'est pas un tapis roulant là, y a pas de tapis roulant là. Non mais c'est quoi ça. Tiens. Coucou rosé, détruis mes menottes avec tes fesses s'il te plaît parce que là comme t'avais fait là. Voilà, j'ai détruit. Yes, il les a détruits. Allez, on se casse. Bon, vas-y, il est où notre maison, là, Coucou Rosé? On doit se casser, Coucou Rosé. Viens, on se casse. Elle est où la maison? On va juste boire du coucou rosé. Ouais, on s'en fiche de toute façon. Attends, mais si on attendait le bus? J'attends le bus paisiblement, attends, s'il vous plaît. J'ai une idée. On va... Attends. Coucou Rosé, cette fois, tiens le masque. Viens, Coucou Rosé. Coucou Rosé, c'est quoi cette moto, là? D'où tu nous sors cette moto? Coucou Rosé, par contre, là, tu mets un masque, ok? Là, il faut que tu mettes un masque. Tiens, je te donne ce masque-là. Tiens, moi, je prends quel masque? Moi, je prends lui. Il est très beau, je m'appelle Bob. Alors, moi, je m'appelle Bob, je suis prof de art plastique et j'aime bien l'art, ok? Et du coup, toi, tu t'appelles Pépé, ok? Toi, tu t'appelles Pépé et t'es vieux, d'accord? Donc, prends un masque un peu vieux, ok? Je peux pas mettre de masque. Croisé, allez, fais un effort, s'il te plaît, fais un effort, Coucou Croisé, mets un masque. S'il te plaît, Coucou Croisé, et t'auras des airshades, ok? Ok. Bonjour, est-ce que vous voulez le bus? Oh, mais oui, le bus est là. Let's go, viens, Coucou Croisé, on va aller dans le bus. Let's go, viens, Coucou Croisé. Attends, regarde, attends, je vais faire connaissance avec lui, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un de normal. Bonjour, comment vous appelez? Courgette. Oui, c'est très bon comme nom. D'accord. Et vous, monsieur le chauffeur, comment vous vous appelez? Je voulais dire le chauffeur. Comment ça, vous appelez chauffeur? Non, je voulais dire Léo, quoi. Léo? Oui. Ok, Léo. Enchanté Léo. Bon, en fait, j'ai un gros problème. Il y a deux grosses têtes de poire là, ils sont tellement moches, ils sont débiles. Ouais, deux grosses têtes. Ah oui, les faire quoi déjà? Hein? Comment ça, vous? Elle dit toujours ça. Et ça, c'est une sorte de truc. Ah, mais vous les connaissez? Ouais, c'est mon fils. Comment ça, c'est un... Ah, lui, non, c'est... je voulais dire. Voilà, on va se calmer là. C'est quoi là? T'es en train de me dire n'importe quoi ou quoi? Non, c'est mon fils. En fait, il vient dans le bus pour me rencontrer. Il vient chaque jour me rencontrer. Ah, ok. Mais du coup, ouais, je vais vous raconter mon histoire. En fait, il y a deux grosses têtes de poire qui sont tellement moches. Et ben, voilà quoi. J'aimerais bien que vous restiez avec moi pour me protéger. Ok, je veux, oui, c'est vrai. Attention, restez dans l'école. Je vous dis quelque chose. Je vais vous dire un truc vraiment secret dans l'école. Comment ça? Il y a un secret vraiment très très important. Pourquoi votre voix? C'est quoi cette voix bizarre là? Mais c'est ça ma voix. Viens ici, s'il te plaît, viens à l'intérieur. Mais c'est quoi cette voix? Je vous ai mis des Je savais que c'était vous. C'est quoi cette voix? Je peux te lever. Non mais c'est pas possible là. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. C'est quoi cette voix là? Je vais te lever. Vas-y. Faut le cacher dans le sofa, il faut lui mettre des menottes. Non, mais si je vous fais un concert, est-ce que vous me laissez tranquille? Non, jamais. Allez, s'il vous plaît. Non, on t'a fait beaucoup confiance là. Mais c'est moi qui vous ai fait confiance. On vous a attaché les mains et tu restes assis. Oui, c'est bon, je m'assois, désolé. Vas-y, j'aurais dû faire confiance aux abonnés. Va capturer Blonette et va capturer Coucou Rosé et après moi. Oh my god. Vas-y, là, je suis bloqué ici. Coucou Rosé, aide-moi. Attends, je vais parler aux abonnés en attendant. Passe-moi tout de suite ce téléphone, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Coucou Rosé, téléphone? Non, oui, allez. C'est quoi ça? C'est les abonnés en fait. Ils disent quoi? Hein, ils disent que t'as une tête de poire et que t'es vraiment moche. Ouais, ils disent ça. Quoi? C'est quoi ce visage? C'est quoi ce visage? Bah, ils sont tous des BG en fait. C'est tous des BG, tu vois. Coopéra à toi, quoi. Bonjour! Moi, c'est le professeur. Ah, bonjour, professeur. Comment ça va? Je vous connais, vous. Comment ça va, professeur? Oui, on aura une voix capturée maintenant. Bonjour, professeur. Je vous connais. Ah, désolé, madame Alien. Non, y a pas d'excuse. C'est Coco Rosé. Il a le t-shirt de Coco Rosé. C'est quoi? Non, ouais, en fait, je suis fan. En fait, des fans. C'est pas des fans. Oui. J'ai jamais connu ces youtubeurs. Oui. Allez, vas-y. Tenez un coup de marteau dans votre tête et dégagez de là. J'ai mis des protections. Allez, viens, on se c'est vrai, il a un casque. On a un casque. Coucou Rosé. J'ai fermé l'école. Rosé, viens, on se casse. Attends. Oh, mais attends. Là, il y a que. Attends. Oh. Mais Coucou Rosé, elle est tout seule. On peut la déglinguer là. Il y a plus sa pote. Mais oh, yes. Là, viens, on se casse, repli stratégique. Viens, Coucou Rosé. Viens. C'est pour ça. Oui. Laissez-moi tranquille. Vous savez quoi? Okay.
Oh, regardez, il y a les jeux d'arcade, c'est trop cool. Tu peux jouer au soccer en ligne, Blandette. C'est très bien. Non, mais Coco Rasé, viens. Toi. Oui. Non, mais c'est bon, désolé. Arrête. Coco Rasé, s'il te plaît, reviens. En bas. On ouais. Bien joué, Coco Rasé. Pour une fois que t'es intelligent, mec. Trop cool. Attends, mais c'est bon, là, c'est la belle vie. Let's go. Bon, viens, Coco Rasé, cette fois-ci. Attends, mais Coco Rasé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as mis un masque, là? Comment t'as fait pour mettre un masque, là? T'es trop bien, là, Coco Rasé. T'as vu, je t'avais oui, dit, mais... quand tu mets un masque, c'est mieux, là. On te reconnaît pas. T'as compris? Donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai... Oh là là, je suis trop content. Je vais appeler les E là. Attends, je vais activer le truc pour les entendre. On va voir ce qu'ils disent. Eh, je sais que vous m'entendez, ok? Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne venez pas tout de suite dans notre maison à demain à 4h du matin de la nuit. Ok, demain à 4h du matin. Attends, j'ai pas compris. Demain à 4h du matin de la nuit. Alors c'est très logique tout ça, mais voilà quoi, il faudrait bien m'expliquer. Ok, j'ai pas besoin de vous savoir. Bah, si vous venez pas tout de suite à la même heure, si vous partez à 5h, vous êtes mort. Vous savez ce qu'on va faire? On va détruire la ville grâce à nos bombes de Courgette City. Oh non. Attends, il y a des abonnés là. Ils me disent que mon masque il est mauvais. Là, je dois l'enlever. Bon, vas-y, je vais l'enlever parce que c'est vrai qu'il est pas ouf quoi. Bon, j'ai rien entendu à ce que vous avez dit, madame l'alien. Je sais pas, j'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un a compris dans le chat ce qu'elle a dit? Parce que moi, j'ai totalement rien compris. M'en fous des abonnés. Attends, mais elle connaît les abonnés. Non, mais c'est pas possible. Attends, si je mettais une tête de cochon, est-ce qu'une tête de cochon c'est bien? Je sais pas trop, hein. Est-ce que à votre avis, une tête de cochon c'est bien? Je sais pas, peut-être. Attends, on va mettre quoi les abonnés? Moi je dis une tête de cochon, ça pourrait bien passer. J'ai pas compris. Ah ouais, tout le monde a pas compris en fait. Tout le monde a pas compris. Il y a un abonné, il dit likez la vidéo, bien sûr, likez le live. C'est plutôt un live qu'une vidéo, mais voilà. Oui. Ah ok, bon, vas-y, on va mettre. Tu sais quoi? Oh, on va mettre lui. Lui c'est bien, non? Lui c'est bien. Mais oui, lui c'est trop bien. Okay, ouais. Vous savez, j'espère que vous avez entendu, parce que si vous avez pas entendu, vous êtes vraiment dans la merde. Oh my god, non. Là, les abonnés, est-ce qu'on doit aller chez eux? Est-ce qu'on doit aller? C'est vous avez décidé. Est-ce qu'on va chez eux? Croisé, toi, c'est quoi que t'en penses? On va chez eux ou pas? Oui. Oui? Mais je sais pas. Oui, non. Ok, il est prêt. 4h du matin. J'ai une idée, si on les piégeait. Oui, on va les piéger. Vous quoi qu'on est débiles? Je vous Est-ce qu'on s'habille quand même? Et on s'habille comme eux, c'est une trop bonne idée. Mais comment tu veux t'habiller comme une tête de poire? Comment tu veux? Comment tu veux qu'on fasse Coco Rasé? T'as une idée, toi? Attends. Mais j'ai une trop bonne idée, Coco Rasé. Il y a une potion normalement. Attends, viens, on achète une potion. Viens. Je connais une vieille mémé là. Elle s'appelle Madame Jacqueline. Je crois qu'elle a été tuée par les deux zigotos. Mais normalement, il pourrait rester des potions, non? Vous croyez pas, les abonnés? Peut-être qu'il reste des potions. Attends, est-ce que vous m'entendez, les aliens? On va voir. Les aliens! Est-ce que vous avez tué une madame qui s'appelle Madame Jacqueline? Ben oui, on a tué tout le monde dans ce monde! On avait aussi juste vous que vous êtes dans la ville! Quoi? C'est juste nous? Mais comment vous avez fait, wesh? Vous êtes Avenger. Vous fait, êtes quoi là? On avait menacé des gens! Vous êtes là, voilà, j'ai trouvé! J'ai trouvé! On a menacé des gens! Et ils ont pas voulu faire ce qu'on a dit! Alors on a détruit la ville et on l'a construit en Coca-Courgette! Attends, donc vous, votre plan c'est de nous tuer, comme ça vous allez construire la ville au Coca-Courgette? Oui. Non, il faut vraiment pas laisser ça passer. Bon, tu sais quoi, je vais boire cette potion. Par contre, est-ce qu'il y a des effets secondaires dans cette potion Coca-Courgette, tu le sais ou pas? Il y a des effets secondaires ou pas? Non. Attends, et si vous buvez la mauvaise potion, vous pouvez mourir. Comment ça, je peux mourir? Ouais, il y a 3 potions. Si vous buvez la mauvaise potion, c'est une autre potion qui vous tuera, ou une potion qui vous mettra plein. Coco Rasé, c'est quoi cette potion là? Coco Rasé, c'est quoi cette potion? Je vais mourir là. Coco Rasé, bruh. C'est quoi ça? Coco Rasé, au secours, aide-moi, c'est quoi ce skill que j'ai? Non mais Coco Rasé, allô Coco Rasé, tu m'entends? C'est où? Coco Rasé, aide-moi, j'ai un skin de polos là, vas-y, tu m'as donné la mauvaise potion comme toujours. Vas-y, c'est quoi cette potion là, aide-moi là, vas-y. Ça vous mettra plein de boutons. Non, j'ai envie d'avoir une autre potion, en plus les takis, qui aime les takis là? Bon, j'aime bien la takis par contre. Est-ce que vous aimez les takis dans le chat, les abonnés? Oui. Coco Rasé, bon par contre Coco Rasé me prend pas pour un taquet, il vient pas me manger hein, sinon je vais te taper hein. Bon c'est la nuit je crois, faut dormir Blonette. C'est vrai, alors après ils sont là, je vais manger un restaurant. Ils sont là, c'est dans le restaurant. Je vais dormir.
secours, je dois me cacher, je dois absolument me cacher. Moi, je vais dormir, Blenette, et surveille bien la maison. Je me cache où? Attends, je me cache ici, là. Déportation. Attends, mais ça, c'est un endroit oublié de Brookhaven, là. Personne vient là, c'est sûr qu'ils vont pas me trouver, là. Attends, pourquoi là, je suis en train de cuire, là? Pourquoi c'est un peu chaud, là? Pourquoi je suis en train de cuire, là? C'est quoi ça? Je suis devenu jaune. Non mais c'est pas possible, aidez-moi les abonnés s'il vous plaît. Donnez-moi un antidote, comment faire l'antidote. Aidez-moi s'il vous plaît. Le lien, on veut t'aider. Quel lien les abonnés, comment rejoindre? Je sais pas moi comment vous rejoignez. Allô, Coco Razé. Allô. Ok, ouais, c'est bon, je vais aller me suicider. Tu sais quoi, Coco Razé, reste là, moi je vais aller me suicider. Non, je rigole, mais Coco Razé, c'est quoi ce skill que t'as là? C'est quoi cette potion? Toi aussi, t'as pris la mauvaise potion. Non, moi c'est la vraie potion. C'est la vraie potion, mais tu ressens pas du tout à eux. T'as cru, ils allaient te prendre pour... Oh non, Coco Razé. Personne peut t'aider, sauf ah, mais on va Coco voir. Razé, tout débile. Coco Razé, il faut qu'on ressemble vraiment à eux, ok? Il faut qu'on trouve une solution pour vraiment le ressembler. Alors déjà, il faut qu'on trouve une photo d'eux. Alors attends, je vais essayer. Est-ce qu'il te reste des potions, Coco Razé? Il te reste des potions, oui. Ou pas? Il te reste des potions? Oui. Oh, mais passe-la-moi direct, Coco Razé. Attends, je vais aller aux toilettes et je vais te donner la potion. Comment ça, aux toilettes? Attends, les abonnés, c'est moi, il va faire pipi, il va me donner... Non, Coco Razé! Non, je vais aller suivre, là, il est où, Coco Razé? Il est parti où? Il est où, les toilettes? Ils sont où, les toilettes, là? Non, je vais... C'est ça, les toilettes, Coco Razé? C'est ça les toilettes? Là c'est ça que t'es en train de dire, c'est les toilettes. Tu vois pas? En plus il met petit poney. Non mais c'est bon, Coco Razé, c'est bon. Je crois que toi je vais te laisser. Tu vas rester tout seul et moi je vais partir survivre tout seul parce que là c'est pas possible. Avec tiens, ça va améliorer la potion. Oh my god, qu'est-ce que je vais faire avec ça en plus? Par contre enlève petit poney s'il te plaît. Enlève petit poney parce que là, c'est plus possible. Enlève petit poney. Ok les abonnés, est-ce qu'on boit la potion ou pas? C'est ça la question. Est-ce que les abonnés vous voulez qu'on boive la potion? Alors attends, est-ce que vous m'entendez les aliens? Les aliens! Oui, si tu veux boire une potion, ça va prendre beaucoup de temps à se régénérer. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas si je dois boire cette potion, les abonnés. Je sais pas si je dois boire cette potion. Parce que là, voilà quoi. Je sais, bah! Tu l'as bu toi? Non! Enlève petit poney parce que là, c'est plus possible. Enlève petit poney! Attends, je l'enlève! Non, mais c'est pas possible, c'est bon. C'est bon! Ouais. Moi je vais pas boire la potion, hein. Je te dis, je crois pas que je vais la boire. Hein. Attends, je vais voir les abonnés s'ils me disent. Ils me disent oui. Bon, vas-y, on va boire la potion, on va voir ce que ça donne. Oh, je sens que ça va être du n'importe quoi là. Pourquoi je dois boire cette potion? Pourquoi? Bon, vas-y, on va le faire quand même. Let's go. Allez, je la bois. Oh non. Oh, Coco Razé. Coco Razé, tu m'entends? Coco Razé. Oh my god, attends. Ça a fait aucun effet. C'est quoi cette potion qui m'a donné? Ça a fait aucun effet. Oh là là, ça fait aucun effet là, c'est pas possible ça. Attends, mais ça fait aucun effet cette potion. Coco Razé, il m'a arnaqué là, c'est quoi ça? C'est que. Non, mais c'est pas possible. Coco Razé là, il faut. Attends, je vais aller voir les aliens, je vais leur dire que je vais être dans leur équipe. Parce que là, on va essayer de déglinguer Coco Razé, il me casse trop la tête là. Il me casse trop la tête ce Coco Razé. Non mais je préfère comme avant s'il vous plaît potion, remettez-moi comme avant là, c'est quoi cette tête de Bob l'éponge? Non mais aidez-moi. Attends, je vais aller voir si elle est encore dans le restaurant la meuf là, parce que voilà quoi, j'ai besoin d'aide. Allô les aliens. Laissez-moi dormir. Ouais. Quoi, ils dorment le jour? Non mais c'est vraiment des aliens en fait, hein. Ils ont bien choisi leur nom. Attends, hey, mais... Allô, il est 5h en fait. Il est même pas encore venu. Alors vous savez quoi, je vais détruire la ville. Ouais, détruire la ville. Non. Allô, vous m'entendez? 5. Ah, vous êtes où? S'il vous plaît. Vous êtes où? Je détruirai pas la ville. Viens tout de suite. T'es que je suis en train de regarder s'il y a des gens. Attends, vas-y, viens, va détruire tout de suite la ville. Non, détruisez pas la ville. Attendez 2 petites secondes. Ah, attends. En plus, c'est quoi ces abonnés, vu que j'ai pris l'ordi de ce mec? Attends. Quoi non. C'est quoi ça? Pourquoi il met des emojis de courgettes? C'est quoi des ce emojis truc de courgettes? Attends, tu veux chercher leur maison? C'est quoi ce visage là, avec des gouttes de eau là? On doit absolument chercher leur maison, les abonnés. Oh, on a explosé avant qu'ils viennent! Oui, mais c'est quoi ça? En plus, c'est quoi ce citron, ni des courgettes, et c'est quoi ce visage encore?
Je suis mort. C'est qui lui? Désamorçation. Je casse tout. Chef, vous pourrez pas casser la ville. Mais tu veux faire quoi? Je casse tout. Quoi, j'ai activé? Mais t'es stupide, tu viens d'activer l'enfant. Yeah, elle est trop débile. 5, 4, 8, vite, on va sortir de notre ville. Vite, prépare, regarde la portation. Je vais vous voir. Vite, je suis en train de préparer. Arrête. Oh, ça a détruit la ville. Non, la ville est détruite là. Non. Oh, quoi? Ça a enlevé notre maison. Vite, Blonette, on est dans notre ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous suis. J'ai trouvé la voiture. Oui, j'ai trouvé moi aussi la voiture. Je suis très bien. Piquez-toi. Vite. On va leur casser la tête, ok, les abonnés. On va leur casser la tête. Non, mais inquiétez-vous pas, moi je suis dans votre équipe. Prends la trottinette. Pas la trottinette, c'est moi. Venez là, s'il vous plaît. Je suis dans votre équipe. Mais la trottinette. Ok. Non, mais c'est bon là. Attends, mais ils sont en train de faire un film là. La ville n'est même pas détruite là. C'est quoi ça? Ça, c'est la ville qui a été détruite. Non, mais c'est de l'arnaque leur truc. Hein. C'est vraiment de l'arnaque leur truc. Les aliens? Allô, les aliens? Oh là là, ils me répondent même pas. Comment je vais faire? C'est bon là, je dois trouver Kukurazé. Attends, on va essayer d'appeler Kukurazé. Allô, Kukurazé? Allô? Allô, ouais, qu'est-ce qui se passe là chez toi là? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Ah, moi je suis où? Ah oui. En fait, je crois que c'est que du mitonnage qui nous disait là, les deux petites. Ah, c'est ça. Ah, t'es là, Kukurazé. Ouais, je crois qu'on en a fait un peu trop là parce que c'est que. Téléportation dans notre pays. Hein, quoi? À ton avis? Attends, j'ai entendu téléport. Kukurazé là. C'est quoi cette tête là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette tête là? C'est quoi? Quoi? Non mais Kukurazé, c'est bon, dégage, je veux plus te voir. Les abonnés eux aussi veulent plus te voir. C'est quoi cette tête? Bon, j'avoue la mienne n'est pas mieux, mais voilà quoi, comment on va faire là? Comment on reprend notre... On va devoir. Non mais là, c'est quoi ça? Enfin on est dans notre pays. En plus eux ils ont dégagé là, ils ont gâché notre vie là. Je vous parle. Attends, ils sont en train de parler à nous là. Oui. Vous savez que la ville va vous se détruire dans 10 minutes. Alors je vais vous montrer. Ouais, c'est ça, arrête de raconter du pipeau là, dégage dans ta vieille ville là. Il y a 3 coca courgettes. Il y a une qui va annuler la destruction de la ville. Il y a une qui vous met. Oh non, zut, alors je m'en fous un peu de ta vie, allez, ciao. Il y a quelqu'un qui va se détruire la maison. Ciao. Bon, Kukurazé, là, on fait quoi? On fait quoi là, Kukurazé? Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans l'aéroport, on va de l'avion et après on saute. Okay. Et je crois que ça va nous faire un peu du bien parce que là j'en ai marre de cette vie de bolos. Regarde, on ressemble à quoi? Non mais c'est bon, notre vie elle est gâchée, Kukurazé. Notre vie elle est gâchée. Viens, on part à l'aéroport. Ramène-moi. Non, j'ai lu que l'antidote reste juste 2 heures. Comment ça, l'antidote il reste juste 2 heures? T'es sûr de ça, toi? Oui. Ah, moi je suis pas si sûr de ça, hein. Moi je suis pas si sûr de ça, mais pas du tout, hein. Je crois que tu me racontes. Enfin, avec le pipi, ça va rester beaucoup. Avec le. Attends, dis-moi pas ce que tu m'avais donné là, c'était ton pipi là. Non. Kukurazé? Non, Kukurazé. T'es où? Je vais m'énerver là. T'es où? Attends, mais même la porte elle me victimise. Même la porte, tellement que je suis moche, elle me prend même pas pour un humain, elle veut pas me laisser passer. Laisse-moi passer la porte. Oh, ok, c'est bon, elle m'a laissé passer là. Ok, c'est bon. Ok, vas-y. Pourquoi je suis lent là comme ça là? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Kukurazé, aide-moi. Ah, mais c'est de l'autre côté. Ah, oui, d'accord, bon. Ouais. Je suis vraiment débile. Bon, les abonnés là, il faut qu'on fasse un truc. Viens, attends. Attends. Allô, les aliens? Est-ce qu'on est toujours en contact? Allô, les aliens? Allô, les aliens? Bon, vas-y, Kukurazé, viens, on se casse, c'est bon. Viens, on se casse, là, c'est bon, moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre, je me laisse aller. Et ciao. Oh? Quoi? Mais j'avais pas gardé des parachutes, moi? Attends, mais je suis sauvé. Mais moi, je voulais pas être sauvé, là. Attends, là, c'est qui, là-bas? C'est qui, là? Attends, y a quelqu'un ici, c'est qui? Hein? C'est qui, ici? C'est... Comment on se retrouve, madame l'alien? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait un cirque ou quoi là? Allô? Non mais c'est pas possible, elle nous prend pour des blaireaux là. Croisé.
Tu fais quoi là, en fait? Je vais l'aider. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Non, c'est bon. Bon. Non, non, mais c'est bon, j'en ai marre, sérieusement, j'en ai marre. C'est bon, tenez, voyez ça, tenez, tout ça, ok, ça va vous remettre à la normale, parce que là, c'est pas possible, ok. Tous, prenez ça, ok. Non, c'est bon, je quitte. C'est bon, c'est vidéo et c'est live ASMR. Bon. Non, là c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils sont en train. Attends, je vais filmer ça parce que là. Salut les abonnés! Vous êtes qui? En réel? Venez dans notre ville, elle est trop bien! C'est bon. Restez là, faire vous. Je vais juste aller chercher un petit truc. Comment on envoie un truc pour les envoyer? Restez là, inquiétez-vous pas, tout va bien se passer, vraiment tout va bien se passer. Vraiment la vie est belle, hein. La vie est belle, hein. Tenez dans votre cœur. C'est bon, j'en ai marre de vous. Mourez, je veux plus vous entendre, s'il vous plaît. Mourez. Pour le bien de l'humanité. Non mais ils veulent pas mourir en fait. Non mais ça sert à rien de mettre des bombes là, je les avais écrit blindés. Bon. J'en ai marre. Les abonnés, je crois qu'on en a tous marre d'eux là. C'est quoi ça, ces aliens? Non mais Kokorazé, t'es devenu leur frère ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Non mais il faut tellement plus parler. Non mais c'est bon. J'arrête là. Attends. Moi je vais quitter ce monde. On va aller sur un autre serveur. Je vais me casser de là parce que là il y a que des mentales. Là, il y a que des malades mentales. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je vais boire. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est bon. Je crois qu'il faut se casser là. Là, il faut vraiment se casser. C'est pas possible. C'est plus possible. Voilà, tiens, bois aussi. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pour rapetisser. Tu voles en même temps de danser. Ah ouais, vraiment logique tout ça. Bon les abonnés, moi je vais aller faire un voyage. Non, je vous dis, je vais changer de Brookhaven, c'est bon, je change de Brookhaven, c'est Courgette City, je te rappelle. Ceux qui vont pas me croire, je change de Brookhaven, c'est bon, je change de... Courgette City, c'est bon, je change de Courgette City, moi je vais aller à Kaka City, c'est beaucoup mieux que ça. Oh, bon, on va aller changer de Brookhaven les abonnés. On va aller à Kaka City. Est-ce que vous voulez qu'on aille à Kaka City? Parce que là c'est plus possible. Là c'est vraiment plus possible. On doit absolument partir d'ici. Parce que voilà quoi, vraiment c'est quoi ça? Dites-moi c'est quoi ce courgette? Non mais j'en ai marre moi. Moi j'en ai marre personnellement. Je crois que vous aussi vous en avez marre. Donc on va changer complètement de Brookhaven. On va aller dans un Brookhaven où il y a du caca, c'est beaucoup mieux qu'ici. Donc voilà, on va y aller les abonnés. Attendez deux petites secondes, on va trouver l'aéroport. L'aéroport est juste là. Je crois que ça va être beaucoup mieux. Moi je dis ça va être beaucoup mieux qu'ici parce que voilà quoi, ici c'est pas vraiment ouf, hein, je veux pas... Vas-y, mon scooter de vieille mémé, là, il y a que les vieilles mémés qui prennent ça. Oh, il y a le scooter de Kokorazé. Bon, Kokorazé, il a disparu, je sais même pas c'est qui. Je crois que le mec vert, c'est même pas Kokorazé, hein. Je crois que c'est un autre mec, parce que, voilà, quoi, c'est plus possible. Donc, voilà, on va y aller, attendez. On va aller dans... Ouais, on va aller ici, ça a l'air beaucoup mieux que notre truc actuel. On va aller ici, et voilà, donc voilà, on va y aller. Dame, directement, on rentre dans l'avion et on va faire un voyage où on va changer de truc parce que là c'est plus possible. Là c'est vraiment plus possible, les abonnés. C'est plus possible. Ce Brookhaven est tellement éclaté. Je veux pas en mentir, il y a que des fous. Allô, les aliens? Allô? Vous avez vu? Non. On va vraiment changer de Brookhaven parce que voilà quoi, à un moment faut pas nous prendre pour des courgettes. Donc on va se casser et let's go, je crois que ça va être beaucoup mieux. Moi je dis ça va être beaucoup mieux. Allô? Je me casse, hein, juste au cas où vous... Moi je me casse directement. Oh, attendez, ok, je suis dans un nouveau Brookhaven les abonnés. Ok, est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'à votre avis... Quoi ce Brookhaven là? C'est quoi ce... C'est...
C'est quoi ce Brocaven? Non mais c'est bon, c'est bon. Non, il est où l'aéroport? Il est où l'aéroport? Non, il faut que je vais dans... Non, je suis parti, où là? Allô, coucou rasé, les aliens, vous êtes là? Hein? Attends, mais ils sont même ici. Non, je dois changer. Je vais encore changer parce que là, c'est plus possible. Non, on va rechanger de Brocaven parce que voilà quoi. Non, je peux pas rester ici. Je peux vraiment pas rester ici. Coucou Razé, j'ai besoin de ton aide là. Pour une fois là, coucou Razé, s'il te plaît, aide-moi là. S'il te plaît, coucou Razé. Coucou Razé. Allô, coucou Razé. Est-ce que t'es là? S'il te plaît, aide-moi à changer parce que là c'est pas possible. Je suis dans un monde où il y a plein d'aliens là. Non. Attends, dis-moi pas que ça c'est leur monde à eux. Non. Mais t'es où? Depuis tout à l'heure, je t'attends. Comment ça? Pour le clip. Mais t'es où, coucou Razé? Toi t'es où? Parce que tu t'es endormi et après t'as disparu. Je me suis endormi après j'ai disparu. Quoi? Non, dis-moi pas qu'ils m'ont mis. Dis-moi pas qu'ils m'ont envoyé dans leur monde là. Parce que leur monde là il est éclaté, je le dis, c'est le pire monde au monde. C'est le pire monde au monde. Leur monde, je te dis, il est totalement éclaté. Non, attends, je vais essayer de rechanger. Attends, je vais aller dans un autre endroit. Je vais aller dans un autre. On va retourner dans l'autre monde là. Ça me saoule de rester avec. Ah, t'as vu? Mais je savais qu'ils étaient. Non, ok, c'est bon, j'ai changé, attends. J'ai peur, les amis. J'ai changé, juste attends, ok. Mais c'est pas notre ville ça. C'est quoi ça? Ah, oui, c'est vrai. Bah, attends, c'est Brocaven. Brocaven dans l'eau? Non mais pourquoi je suis là? Non mais c'est quoi ça? Dis-moi pas qu'ils vont venir. Allô, coucou Razé? Allô? Est-ce que tu peux venir? Non! Et ça là! Mais ils me suivent partout, ces chacals! Non, j'ai tombé. Ah, je crois qu'ils sont dans notre ville, hein. Oui, je pense aussi, moi. Je suis trop contente, on va sauter mais... dans la piscine. Mais c'est pas Brocaven ici. Rejoins-moi vite. Mais non. C'est non. Quoi ça? Oui, je savais, c'était allô, les chacals qu'ils ont explosé. Coco Razé, c'est ça, je comprends quand ils disaient que les humains ont détruit leur ville. Je crois que c'était ça leur ville. Bon, Coco Razé, moi je vais venir chez toi, ok? Parce que là c'est plus possible, je peux pas rester ici. Ok, c'est bon. Ils sont très méchants. J'ai rejoint. Coco Razé, normalement je suis là. Vite, on va se noyer. Attends, je vais vous cacher ici. Ok, c'est bon. J'ai changé de monde, attends. J'ai encore changé de monde. Ok, là, j'espère que je suis dans le bon monde. Là, j'espère que je suis dans le bon monde, les abonnés. J'espère vraiment que je suis dans le bon monde, ok? Normalement, là, je suis dans le bon monde, non? Là, c'est le bon monde, ok. Let's go. Je suis dans le bon monde. Attention, Coco Razé, comment on se retrouve? Bonjour. Oui, c'est moi, Coco Razé. Non, s'il te plaît, pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait, c'est quoi, Coco Razé, non. Là, c'est plus Coco Razé, c'est Coco Razé. Vous êtes Banane City. On est où là? Banane City. Oui. Non, mais c'est bon. Non, mais je me casse, les abonnés. C'est bon, les abonnés. Non, sérieusement, les abonnés, je sais pas. Moi, je dis, on arrête les voyages. T'es où, je t'attends? Quoi? T'es où, je t'attends? Coco Razé? Je crois qu'il est. Attends, là, je crois que c'est le vrai. Coco Razé, c'est toi? Attends, allô? Ok, ouais, c'était le vrai Coco Razé. Attends, mais ça veut dire que le Coco Razé veut encore que je vienne chez lui. Est-ce qu'on essaie d'aller vers le vrai Coco Razé, les abonnés, ou pas? Est-ce qu'on essaie d'aller vers le vrai Coco Razé ou on abandonne? C'est vous qui décidez. C'est qui lui? Je sais pas c'est qui, ouais, c'est Coco Neut Razé. Non, mais ici on a Banane City. Non, mais j'ai envie de croiser mon Coco Razé. Bon, mon vrai Coco Razé, en plus, j'ai plus envie d'avoir ce skin là. Non, je dois reprendre mon skin, mon vrai skin, c'est parce que là c'est plus possible. Elle s'appelle comment cette fille? Miss Cool Play, non mais qu'est-ce que... Non, c'est quoi ça? Il y a des bugs temporels, je comprends rien. Oui, ok, je vais essayer de râler vers le vrai Coco Razé, les abonnés. On va réessayer d'aller vers le vrai Coco Razé. Alors on va essayer de... Je fais quoi? Déjà, je fais quoi? Est-ce que... Attends, si je prends une voiture et que je vais à la vitesse maximum, est-ce qu'à votre avis, ça va changer de monde? Peut-être, hein. Peut-être comme dans le film. Je sais pas si vous avez vu le film là. Le retour vers le futur. Mais oui. Attends. C'est à cause de vous que notre monde est détruit. Mais attends, j'entends des voix. C'est n'importe quoi là. C'est quoi ça? Attends, j'entends des voix, les abonnés. C'est du n'importe quoi. C'est à cause des humains que notre pays est terminé. Il s'est décapité. Maintenant, comment on fait? Nous, on est obligé de rester sur un petit bloc. C'est du n'importe quoi, les abonnés. C'est du n'importe quoi, c'est quoi ça? Ok, bon, attends, on va essayer de trouver. Attends, les abonnés, on va essayer de rentrer en contact avec Minox. Et regarde, j'ai un Poppit. Un Poppit? Non, mais.
Non mais il parle de pop-it là, c'est pas, c'est, non non on peut pas rester là, je peux vraiment pas rester là, sérieusement. On va aller ici les abonnés parce que là c'est plus possible. Je vais danser. Attends, c'est bon, j'ai trouvé le nouveau truc. J'ai trouvé le nouveau truc normalement. Normalement les abonnés, là on est vers le vrai truc. Là on va trouver le vrai Brookhaven. Ok, 3, 2... Let's go! La vitesse maximale, allez, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Allez, normalement, là, s'il te plaît, dis-moi que c'est le vrai Brookhaven où je vais trouver Minox! Allez, coucou rasé. Ok, déjà. Je vais aller chez moi! Brookhaven, but under the. Oh my god, mais j'en ai marre, mais c'est quoi ça? Je suis où encore? Vas-y, j'en ai marre. Je suis où? Expliquez-moi, c'est quoi tous ces mondes éclatés? C'est quoi tous ces mondes éclatés? Allô, coucou rasé? Allô, tu m'entends? Allô, t'es où, coucou rasé? S'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît. T'es où? C'est à Courgette Titi. Courgette Titi. Est-ce que tu peux m'envoyer une invitation à Courgette Titi? Parce que là, je suis dans un monde. C'est quoi ça? C'est quoi ce monde-là? C'est un monde de Wish. Non, mais. Kourazé, t'es où? Dis-moi, t'es où exactement? Kourazé, Titi. Prends une trottinette et va rapidement. Je fais quoi? Répète. Prends une trottinette. Trottinette? Mais comment tu veux que je prenne une trottinette? Non, mais c'est pas possible. Est-ce que tu pourrais me téléporter? Attends, est-ce que les aliens sont à côté de toi? Non. Demande. Oh my god. Essaye de rentrer en contact avec les aliens et dis-les de me téléporter, s'il te plaît. Essaye de me téléporter. Là, sinon, c'est impossible. Hein. C'est mort. Hein. J'abandonne, moi. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est quoi ça? J'arrive même pas à revenir dans le vrai Brookhaven. Oh. Faut se calmer un moment. Attends. Je vais essayer une dernière fois. Là, si je peux pas, je vais attendre le prochain live. Parce que là, c'est plus possible. Ok. Normalement, là, on devrait pouvoir accéder au vrai Brookhaven. Je vais essayer, mais là, si j'arrive pas, je vais pas te mentir, coucou rasé, mais je vais te laisser. Hein. C'est bon, j'en ai marre. Bon, y a personne qui me téléporte. Bon, en tout cas, les abonnés, je crois que c'est impossible de retrouver le vrai coucou rasé. Peut-être que dans un prochain live, on va le retrouver, mais je crois que là, c'est la mort. Hein. Là, c'est mort, on peut trouver personne. Attends, c'est qui elle? Attends, on va regarder le chat. Bonjour, t'es qui? On va dire bonjour, t'es qui? Oh, Tikida. Oh, attends, c'est l'abonné, bonjour. Bon, les abonnés, je crois qu'on va jamais retrouver Kokorazé, hein. Je crois que c'est... On va jamais retrouver Kokorazé, je crois que c'est terminé pour nous. Allô, Kokorazé? Non, c'est mort. T'as vu... Attends, on va lui dire, t'as vu Kokorazé? On va dire, est-ce que t'as vu Kokorazé? Est-ce qu'à votre avis, elle a vu? Moi, je dis, elle a pas vu Kokorazé, hein, parce que... Ah, voilà, quoi, c'est mort, hein. C'est mort, les abonnés. C'est mort. Dis-moi pas que tu arrêtes le live. Bah oui, hein, si on n'arrive pas à trouver Kokorazé. Non, mais je peux t'aider. Attends, elle peut m'aider? Quoi? Comment ça? Attends, on va lui dire comment ça. Comment ça tu peux m'aider? Là, t'as une piste? T'as quoi? T'as une machine à voyager dans le temps? Parce que là, je dois revenir à... En plus, c'est quoi ce skill? Dis-toi, c'est quoi ce skill? Comment elle peut me parler? Moi, je vois quelqu'un comme ça, je m'enfuis, hein, direct. Y'a même pas le temps. Je m'enfuis direct. Non, je sais pas. Les abonnés, je crois que c'est mort pour nous. Une machine à voyager dans le temps. Ok, d'accord. De voilà. En tout cas, les abonnés, j'espère que vous avez aimé ce petit live. De voilà, c'est parti en cacahuète. Par la fin, c'est vraiment parti en cacahuète. De voilà, c'était un petit live avec Sana. Sana, comment ça va, Sana? Très bien. Et aussi avec Anna. De voilà, je crois que c'est mort pour Coco Rasé. Hein. Je crois que vraiment que c'est mort. C'est vraiment parti en cacahuète, par contre. J'ai dit bonne chance à Coco Rasé. Mais Coco Rasé, c'est mort. Hein. Coco Rasé, je crois que c'est terminé. Est-ce que là, vous voulez, les abonnés, qu'on arrête le live ou qu'on part dans un autre jeu, on fasse un autre truc? Parce que moi j'ai quand même envie de continuer à live, mais après au pire, demain, est-ce que demain vous avez cours? Parce que oui, moi demain j'ai pas cours. Même Minox et tout, on n'a pas moi cours demain. Moi aussi. Ouais, c'est vraiment parti en cacahuète ce live là. On est parti dans des jeux bizarres. Moi aussi on n'a pas cours. Ouais, moi aussi j'ai pas cours, les abonnés, donc je sais pas si vous demain vous avez cours. Est-ce que vous avez cours demain, les abonnés? Non, j'ai cours, oui. Je crois que tout le monde a cours, hein. Ouais, en France, tout le monde a cours. Parce que nous, on n'est pas en France, les abonnés. Ben oui, on n'est pas en France, nous. On est on est à Courgette Titi. Moi, je vais me calmer avec Courgette Titi. On est au Canada. On est au Canada, donc voilà. Canada. Au Canada.
Voilà, on est au Canada, donc nous demain il n'y a pas école, mais par contre en France je crois qu'il y a école demain, je crois qu'il y a école, donc voilà, je sais pas, en tout cas peut-être que déjà samedi et dimanche il y aura un live, samedi prochain quoi, et dimanche prochain, et voilà, 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 au Canada, en Algérie, en tout cas dédicace à toutes les abonnés, merci à ceux qui ont mis un like, 1300 likes, c'est vraiment cool, en plus j'ai même pas demandé de mettre des likes, ça me fait vraiment super plaisir, et voilà, reste, bah les abonnés. Je crois qu'on va se quitter là, les abonnés. On va se quitter là. Comme ça, le prochain live, on va essayer de. Parce que là, c'est parti en. Oh, attendez. Oui, je suis coucou Rosie, comment ça va, mec? Voilà, là, c'est parti vraiment en cacahuète. Là, je vous dis, c'est parti vraiment en cacahuète. Déjà, c'était une improvisation totale. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Déjà, comme ça, on s'est. Moi, j'ai un adoré. Adoré, bah, c'était cool quand même. On s'est bien amusé. Moi, t'as aimé, j'ai Anna? Adoré. T'as aimé, Anna? Bah, ça fait plaisir. Et toi, coucou Rosie, est-ce que t'as aimé? J'ai adoré. La semaine prochaine, je vais avoir, je vais, oh, ça, attends, qu'est-ce qu'il dit? Je connais un jeu trop bien. Est-ce que arrête pas le live. Ben les abonnés, hein, parfois vaut mieux que j'arrête. Si y a rien à faire, tu vois. Si le live, voilà quoi. S'il y a plus aucun sens au live, vaut mieux que je l'arrête. Hein. Comme ça, le prochain live, les abonnés, on se retrouve samedi. Comme ça, vous venez samedi. N'oubliez pas de venir samedi. Hein. Samedi et dimanche à la même heure. On est d'accord, 16h. Hein. 16h en France, midi au Canada et environ. Je crois que c'est 15h en. Par exemple en Algérie, au Maroc et tout ça, je crois que c'est 15h, hein. Je suis pas sûr. En tout cas, un truc du genre. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, à suivre le post communautaire parce que c'est très important. C'est là où je dis à chaque fois quand il y a des lives. Et voilà. Hein. Non. 17h. Quoi? Je crois que c'est 17h. Ah, 17h, ouais, c'est possible que ça soit. Ouais, je crois que c'est une heure de plus. 17h. 17h, 17h. Tu peux RP Livetopia. Ah oui, est-ce que vous voulez qu'on teste Livetopia? Si vous voulez, on teste. Non, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y aura un live Livetopia. Pour le moment, on va juste arrêter le live, non, les abonnés. Non, moi, j'ai pas encore visité Livetopia. Moi aussi, j'ai jamais testé. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un live un jour comme ça, où on teste un Livetopia? Ce serait quand même cool de tester Livetopia. Hein. C'est quand même cool. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui disent reste. Donc, les abonnés, vraiment, moi, ça me fait plaisir que vous aimiez mes lives. Donc, voilà, je vais essayer de vous en faire un peu plus parce que j'avoue que ces temps-ci, j'ai pas posté trop de vidéos, j'ai pas fait trop de lives. Mais voilà, on va revenir, les abonnés, avec des bons RP, des bons lives. Là, c'est parti en cacahuète, mais c'était quand même drôle, c'était quand même cool. Et est-ce que, aussi, la question, ça, c'est une vraie question, les abonnés. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des RP avec plus de personnes ou vous aimez quand c'est comme ça, entre nous, avec moi, Minox et mes deux petites sœurs? Ou vous voulez qu'il y ait plus de personnes, qu'on fasse participer plus de personnes. Dites-moi si vous voulez que genre que c'est que entre nous, genre soit que entre nous ou avec plus de personnes. Dites-moi parce que voilà, écrivez ça écrivez un entre nous et ouais. Deux avec des personnes. Ouais, exactement. Un c'est pour entre nous et voilà, en tout cas merci les abonnés, vous êtes vraiment incroyables. Je m'attendais même pas qu'il y ait autant de personnes. Vraiment, toi je sais pas toi Minox, mais je m'attendais même pas qu'il y ait autant de personnes. Ah, 2000. Vous êtes les meilleurs, vraiment, vous êtes les meilleurs. Il y avait 2000 personnes, 2400 constants, c'était incroyable. C'était trop amusant. J'aime trop faire des lives où il y a plein de personnes, tu vois, comme ça. Genre, c'est juste trop cool. Et voilà, ça me fait plaisir. J'essaie d'en faire un peu plus. Et voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Oui, on va essayer de faire plein de vidéos et voilà, exactement. Fais un live sur Livetopia, ouais, pourquoi pas. Peut-être même des RP, t'imagines des RP sur. Oh oui, ce serait trop cool. J'ai jamais essayé. Ouais, moi aussi, j'ai testé une fois, mais c'était vraiment un truc. Moi, jamais joué. Juste pour vous dire, petite anecdote. Non, mais sérieusement, Livetopia, moi, j'ai jamais testé. Vois des vidéos de Livetopia, mais j'ai jamais testé. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et aussi, on peut faire des genres de vidéos de Tikan. Ticoun, tu fais Tikan. Ticoun. Non, c'est ça s'appelle des ticounes. Ticoun. Ticoun, moi j'appelle. Vous disiez ticoun ou Tikan? Ticoun. 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 Petit. Non, Ticoun, pas petit con. Non, c'est Ticoun, ok. Donc arrêtez avec vos petits cons, Ticoun, je sais pas quoi, c'est Ticoun, ok. C'est Ticoun. Non, arrête. Tycoon, ah il y en a des tycoon. Ah oui, tycoon, c'est vrai, c'est soit tycoon. Ouais, c'est vrai, c'est tycoon. Oui. C'est tycoon. Le vrai truc, je crois, c'est tycoon. Mais je m'en fous des noms. Tycoon. Mais je peux faire un. Tycoon. Je peux faire un vote. Vous voulez que je fasse un vote, les abonnés? Mais je suis débile, je peux faire un sondage. Entre. RP entre nous. Quand je dis entre nous, c'est moi, mes deux petites sœurs et Minox. Minox, entre Diablo. Peut-être avec Diablo et l'alchimiste, tout ça. Ouais, voilà, l'alchimiste. Les poteaux. Donc voilà, un RP entre nous. L'alchimiste qui est sur le live, hein, dédicace à toi. Ou sinon, entre nous, ou sinon, avec plus de personnes. Avec plus de
personnes. Quand je dis plus de personnes, c'est vous les abonnés, hein, je vais pas vous mentir. Entre nous, par contre, il y aura une, ça sera des sélections et tout. Genre, voilà quoi. Entre nous, plus de personnes. Donc voilà. C'est un sondage fait à l'arrache. Voilà quoi. Je sais pas s'il y a des photos ou quoi. Donc voilà. Essayez de me dire. Et voilà. En tout cas, là, pour ceux qui veulent que voir du RP, c'est terminé le RP. Là, le RP il est terminé. Donc voilà. Pour ceux qui veulent chill un peu avec nous, avec moi, Minox et mes deux petites soeurs, n'hésitez pas à nous poser quelques questions. C'est moi l'alchimiste pour ceux qui se demandent. Ouais, attendez, je vais le mettre Modo l'alchimiste. Il mérite Modo. Ouais, c'est vrai. Tiens, je te mets Modo, petit alchimiste, ajouté en tant que modérateur. Exactement, voilà, je l'ai mis Modo. Donc voilà, aussi, merci pour les... Est-ce que avant de terminer le live, on passe à 1500 likes? Est-ce que, à ton avis, on va réussir, Anna? Ils vont le faire, ils vont le faire. 1500 likes avant la fin du live. Tu penses? Moi, ouais, ils vont le faire. Moi, je pense pas. Ils vont faire même 1600. Quoi? Moi, je dis, ils font 1600 même. 1600? Ah ouais, c'est chaud, toi. Ça, c'est juste si les abonnés veulent. Ça, c'est que les abonnés, s'ils sont extra méga chaud, tu vois. Et voilà quoi. Vous pouvez être juste un peu chiant en mettant juste 1500, mais c'est pas grave. Sinon, la rentrée, les abonnés, ça s'est bien passé. C'est nul. Moi, personne. Ah oui, mes petits sœurs, ils ont changé d'école, hein. Mes petits sœurs, ils ont changé d'école. J'aime pas cette école. Leur école, elle est éclatée. Je vous dis, la cour, elle fait la taille d'une toilette. Ils ont une cour. Je sais pas si vous connaissez, c'est quoi la cour, la récré, quoi. La récréation, je sais pas s'il y a ça en France, la récréation. Ouais, la récréation. Genre la récréation, leur cours, les abonnés, elle est tout petite. Genre vraiment, elle est tout petite. Tout petite. En plus, c'est pour jusqu'au 6ème. Plus, on est genre toute l'école est dans la même cour. Non, juste les jusqu'aux premières années. Ouais, mais eux ils connaissent pas parce qu'en fait, en France et au Canada, c'est pas vraiment la même chose le truc de 6e année tout ça. Et voilà, les 1500. Les 1500. Ah ouais, mais est-ce que 6e année pour eux c'est collège? Je sais pas. C'est déjà mon année. Oh, il y a Levi, comment ça va Levi mec? Il est trop beau Levi. Ah oui, Levi. Levi. Est-ce que tu as cours mercredi? Oui. Vous en France, vous avez trop de la chance. Eux, ils ont les demi-journées. Nous, on n'a pas de demi-journées. J'ai trop envie d'avoir des demi-journées. Nous, on n'a pas de demi-journées, les abonnés. Je vous dis, on n'a pas du tout de demi-journées. Je sais même pas c'est quoi, moi, les demi-journées. Je comprends rien, demi-journées. Ouais, moi, j'y cours, dommage. Si j'aurais demi-journées, je pourrais vous faire des lives et tout. Mais voilà, quoi. Mais moi, au moins, nous, au moins, on a congé demain. Et oui, est-ce que vous avez congé demain? Non. Je crois pas. Nous, on a congé demain, donc c'est quand même bien. Est-ce que tu pourrais faire le criminel le plus gentil au... le criminel le plus gentil au monde? Ah, alors j'ai jamais vu ça en fait. Jamais vu ça moi. Le criminel le plus gentil au monde. Alors moi je regarde des RP mais j'ai jamais vu. Attends, mais c'est possible là, ça peut être une bonne idée. Le criminel le plus gentil au monde. Alors ça serait genre un criminel qui ferait des trucs gentils mais qui serait un criminel aux yeux de la loi. Ça pourrait être un truc comme ça, mais voilà quoi. Sinon, la pire mort. Ouais, ouais. C'est Diamanet, je crois, c'est. Moi, oui. Attends, ta sœur, elle a quel âge? Ta sœur, elle a 9 ans? Vous avez quel âge? 10 ans. Ouais. 10 ans, mais. Ils ont 10 ans. CM2, c'est CM2. CM2, 10 ans? Crois. Ok, ouais. CM2, CM3. Parce qu'on a raté une année en fait. Ah oui, c'est vrai, ils sont nés vous êtes nés en octobre, décembre? En octobre. Ils sont nés en octobre, donc là, ouais. Quand t'es né en octobre. Oh, j'ai trop le seum. Yo, quand t'es né en octobre, je te dis que t'as le seum parce qu'en fait, tu rates une année. Genre t'es avec mais les. Mais en fait, pourquoi tu rates une année? T'es avec les. Je sais pas, parce que genre, c'est bizarre. Genre, c'est. Quand t'es né en. Je crois de octobre à quoi? De octobre à. Je sais pas, un truc genre. De octobre à novembre. De octobre à novembre. De octobre, si t'es né de octobre à novembre au Canada, tu rates une année. Genre t'es. Genre, par exemple, si tu dois être en. Par exemple, en. Si tu dois être, je sais pas moi. En cinquième année, ben, t'es obligé d'être en quatrième. Ouais, c'est chiant. Oh, moi, je suis né en juillet. Donc, moi, je suis bien à ma fête. C'est pendant les vacances, les abonnés. Moi, je suis méga bien. Sinon, et décembre. Ah ouais, et décembre aussi. Hein. Décembre aussi. Décembre, moi, je suis le 28 novembre. Moi, je suis le 8 juillet, les abonnés. Donc, voilà. J'avais même fait un live anniversaire. Nous, c'était super cool. Et nous, c'est bientôt notre fête. Sérieux? Oui, c'est le 18 octobre. Le 18 octobre. Donc, les 1400 personnes qui sont sur le live, vous savez ouais, la connaissance de Le quoi déjà? 18 octobre. 18 octobre, donc c'est bientôt en fait. Hein. Oui. C'est bientôt. On va voir les vrais qui s'en souviendront. Yo, regarde. Quoi? C'était 50%, 50%. Ouais, c'est. Oh my god, là c'est serré. Bon, ça veut dire que quand on va voir les abonnés, on va voir. Au pire, on fera les deux. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais quoi?
SVP reste, non reste. Ben si vous voulez, moi je reste, mais l'affaire c'est qu'il y aura plus d'RP, donc voilà, on va juste chill entre nous et voilà, entre les abonnés. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, je vais essayer de lire un maximum de commentaires. Février, je suis Qatari. Oh, il est Qatari. I think so for you to be there, that's okay. Ok, donc le mec au Qatari, il parle anglais quoi. Il nous parle anglais. Attends, mais pourquoi il y a des anglais qui me regardent? Attends, je suis Qatari, boom, I think it's food. Attends, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'il dit, le Qatarien. Attends, est-ce qu'on appelle ça un Qatarien, ceux qui habitent au Qatari? Je sais pas, je sais vraiment pas. Je vais vous poser une question, les abonnés. Vous aimez faire quoi dans les vacances? Oh, attends, vous aimez quoi faire dans les vacances? Moi, ce que j'aime, c'est jouer, voilà. Jouer, faire des lives, tout ça, c'est quand même cool. Mais sinon aussi, je suis allé à la plage cette année, c'était vraiment très très cool. Oui. C'était vraiment super méga cool. Ah, dommage, Minox, je t'avais idée de venir, mec. T'es pas venu, hein. C'est ton problème. Non, mais dans la plage, Tigida me lançait dessus. Ah, je te lançais du sable. Des Qataris. Tu me sautais dessus. Ah ouais, moi, les amis, je sais pas vous, mais quand je suis à la plage, j'adore faire la bataille d'eau, vraiment. Mais moi, les guêpes m'ont foutu la haine. Ah oui. Oh, si je vous raconte l'histoire, vous allez rigoler. Oh non, c'est la honte. Vous voyez ma sœur, ok. Elle était assise. Elle était aussi, ok, ma mère a distribué tout parce qu'on avait fait un barbecue. On avait fait un barbecue en plein plage, ça c'est le meilleur truc à faire, ok. Et là, genre, on était là, on mangeait, et là il y avait une guêpe, ok. Plein de guêpes. Il y avait une guêpe, il y avait plein de guêpes qui tournaient autour de Anna, tu vois. Et là, Anna, elle avait peur, tu vois. Donc là, tu vois, elle avait un plat. Elle l'a balancé à terre, tout ce qu'il y avait à manger, il était à terre, elle pleurait, elle était comme ça, elle pleurait, c'était juste trop drôle, mais voilà quoi, c'était moi quand quelqu'un pleure, je ris de lui, hein, je vous dis maintenant. Oui, mais après ça m'a mangé, parce qu'elle aime les mouches et les trucs, elle est venue, elle a capturé des mouches avec des sachets de plastique, là moi j'étais en train de... Non mais ma soeur c'est une folle, hein, elle capture les mouches, vraiment. Elle capture les mouches, les guêpes, les abeilles. Je sais pas qui d'autre dans ce monde capture les mouches, mais ma soeur elle croit que c'est des Pokémon, vraiment. Elle croit que c'est des Pokémon, la meuf. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y en a d'entre vous? Dites-moi, parce que voilà quoi. Sinon, moi je dis que ma soeur c'est la meuf la plus bizarre. Est-ce qu'il y en a d'autre vous qui capture des mouches? Genre, tu vois, Alexia. Oh my god, Pokémon, elle vient, elle capture vraiment. Après, elle les bloque, et voilà quoi, c'est une sadique, vraiment. Elle croit que c'est des Pokémon. Elle est torture. Et elle fait ça juste pour faire peur aux gens après. Non mais ça se fait pas vraiment. Faut pas maltraiter les mouches, c'est très bon. Par contre les moustiques faut les maltraiter, hein. Non, parce les que moustiques eux... c'est bon, eux là. Oh, attends. Ah, c'est dégueulasse. Ceux qui me disent dans le chat qu'ils aiment les moustiques. Oh, les banne. Je les banne, hein. Je les banne, mais vraiment je les banne direct. La dernière fois, j'ai cru que c'était un autre phénomène qui m'a piqué. En fait, c'était juste une grosse moustique qui m'a piqué dans le pied. On dirait que c'était une grosse, méga grosse insecte. Attends, mais il y a plein d'abonnés ici. Moi, j'aime pas. Mais yo, est-ce que vous vous êtes déjà fait piquer par une guêpe ou par une abeille? Par contre, par une abeille, c'est le pire truc. Hein. Pire truc. Toi, Minox, tu t'es déjà fait piquer par une abeille? Mais non, une douleur non. D'une abeille, non. C'est pas vraiment mal, mais une douleur du guêpe, c'est plus. Non, oui. Abeille, c'est plus, je crois. Non, tu vois, elle s'est fait piquer par une guêpe. Ouais? Ouais. Ah ouais. Mais elle aussi, elle l'a cherché, je parie. La guêpe, elle était trop kilou comme ça. Toi, tu viens, tu essayes de l'attraper, bien sûr qu'elle va te piquer. Non, je sais pas de l'attraper. Et en fait, on était parti chez quelqu'un pour lui donner quelque chose. Ouais. Et après, tu connais l'effet chèche? En venant, ça me fait faire comme ça. Ouais, mais toi aussi, là, laisse les feuilles tranquilles. Après, ben, tu vois, Anna, elle avait arrêté de faire ça, mais moi, je continuais parce que c'était trop ça. Et là, une guêpe était là, mais tu l'avais pas vue, elle t'a piqué. Ouais, elle m'a piqué. Ah, ça, c'est le pire truc. En plus, et ça doit faire tellement mal. Et après, j'ai couru. Et ma soeur, elle était traumatisée après. À chaque fois qu'elle voyait une guêpe, elle courait, hein, je vous dis maintenant. Mais plus maintenant, elle les capture à la place. Guêpe, je me suis fait piquer par une guêpe. Ah ouais, est-ce que ça fait mal les guêpes? Parce que moi, je me suis jamais fait piquer. Hein. Non, vraiment, les guêpes, c'est vraiment douloureux. Je te jure, ça fait vraiment, vraiment très, très mal. Ça fait vraiment très mal. Moi, je me suis jamais fait piquer. Sans direct. Je me rappelle, j'étais en voyage. Je savais pas, il y avait quelque chose qui m'avait piqué à l'oreille. Ça faisait trop mal, mais je savais pas exactement c'était quoi. Yo, je sais que c'était une guêpe, mais je sais pas vraiment. Quoi? Est-ce qu'ils veulent une vidéo anecdote comme ça là? Bah oui, hein, pourquoi pas, on peut faire des trucs comme ça. IRL. Genre des vidéos IRL et tout ça, on peut en faire. Hein. Vraiment, les abonnés, est-ce que vous voulez des vidéos anecdote. IRL? Ce serait quand même cool d'en faire là, parce que ça change des RP et tout ça. Mais voilà.
Je sais pas. IRF, ça veut dire vraie vie. La chaîne, ça sera une vidéo. La chaîne sera une chaîne Roblox, oui, tu vois, tout ça. Mais on pourrait en faire de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. Il y a un mec dans le chat qui fait bzzz. C'est bon, lui, il s'est transformé en abeille. Montre la tête de Sana. Ah ouais, je voulais montre la tête de Sana. Oui, allez. Non, on va pas montrer la tête de Sana. C'est ça la tête de Sana. Ouais, c'est ça la tête de Sana. Les abonnés, on va pas montrer la tête de Sana. Oh, va dans un autre jeu. Ouais, je crois qu'on va aller dans un autre jeu parce que ce jeu-là, les abonnés, il est super méga bizarre. On va dans un autre jeu. Vous voulez qu'on va dans quel jeu? On va aller dans quel jeu et on va parler comme ça. Est-ce que la chimiste, tu veux venir en vocal? Si la chimiste, tu veux, il peut venir en vocal. Hein. De toute façon, on va continuer le live à 10 minutes, 20 minutes comme ça. Et après, on va l'arrêter. Voilà. Oh oui, ce jeu-là, j'avais trop envie de le tester, les abonnés. Ce jeu-là, j'avais trop envie de le tester. Je l'ai jamais testé vraiment. En plus, il y a plein de nouvelles mises à jour et tout. Donc, voilà. En même temps, de parler ensemble, on va essayer de le tester. Murder Mystery, je vais tester un jeu, c'est le truc là de Wacky Wizard là. Vous voyez le truc là où il faut faire les potions. On pourrait voir si c'est le truc. Montre la tête de Anna. Ah ouais, là on m'a demandé Sana, là vous voulez Anna. Tu veux montrer ta tête? Ah oui, ça c'est trop cool ce jeu. Là il est trop cool. Vas-y, ouais. On va tester un peu. En plus avec mon skin, je sens que ça va être la faute. Hein. Je sens que les amis, ça va être vraiment le bordel. Hein. Yo, est-ce le vrai que je peux aller aux toilettes? Ouais, tu peux aller aux toilettes. Attends. Wesh. Non, mais je suis capable de passer en dessous. Ok. Vas-y, passe en dessous. Ok, c'est bon, ma soeur là, elle est en mode tortue ninja. Ok. J'aime bien ce jeu, ouais, moi aussi. Mais l'affaire, c'est que je l'ai jamais testé, je sais pas vraiment. Donc attends, ça c'est le mien, je dois faire ça, je dois le mettre là. Et sinon, les abonnés, est-ce que vous avez des anecdotes? Parce que voilà quoi, moi vraiment, moi, et aussi, cette année. Vas-y, dis une anecdote, hein. En fait, j'étais à l'école. Et vous connaissez les trucs qu'on grimpe là? Ouais, les trucs là où tu grimpes. Ouais, comme ça. Tu vois, genre les mini-jeux là. Faire mon show là, comme si je le faisais trop bien, comme une tortue ninja. Ah, ouais, ça, et après, je l'ai fait là, je voulais attirer comme Spider-Man, tu vois, les Spider-Man, je voulais attirer comme ça. Non, et mais t'es débile, toi aussi. J'ai attiré mal, mes mains elles sentaient mal, alors je me suis cassé un bras. Ah, oui, t'avais même un plâtre, hein. Oui. Yo, elle avait même un plâtre et tout. Moi, j'ai jamais eu plâtre, moi, j'ai jamais rien. Je vous dis, moi, la seule fois où je me suis fait mal, vraiment mal, c'est quand je me suis fait frapper par une voiture, mais sinon jamais eu de plâtre, des trucs comme ça, jamais rien eu. Sana, le pont du désert, il y a un ingrédient, c'est la dynamite. La dynamite. Ah ouais, la dynamite, c'est chaud. Attends, moi je vais Sana, mettre Sana, elle a presque toutes les ingrédients. Mais comment avoir toutes les ingrédients là? Il faut les chercher. Il faut les chercher dans la map. Non mais parfois, ouais. Je suis partie dans des vidéos. Spawn potion. Ah ok, t'es partie dans les vidéos. Déjà, on va boire ça. Ok, déjà, on va non, boire. Mais il en a que j'ai pas vu sur des vidéos. Ouais. Énergie bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Wesh. Non, c'est bon, je quitte le jeu, les abonnés. C'était terminé. Tu préfères ça? Non, mais là, Sana, ils voient même pas les abonnés, donc ils peuvent pas vraiment savoir. Mais sinon, ouais, moi j'ai jamais eu de plâtre. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu un plâtre? Je sais même pas ce que ça fait. Anna, genre, elle a déjà eu un plâtre. Ouais, vraiment, elle avait déjà eu un plâtre. Oh, elle pouvait rien faire avec sa main. C'était la main droite ou la main gauche? Parce que la main droite, tu dois souffrir. La droite, ah ouais, tu en peux plus écrire. Mes soeurs, ils me suivaient partout. Même quand je partais aux toilettes, ils me suivaient. Ah ouais, non, mais c'est vrai parce que tout le monde t'aide, tu vois, parce que t'as la main cassée. T'imagines? En plus, tu peux avoir une excuse. Tu dis au prof, non, j'ai la main cassée et je peux pas écrire. Si vraiment, essayer de dire ça, mais. Tu dis, t'es pas drôle, t'es pas. Ah non, essaye, t'inquiète, tu vas bien faire. Mais moi, je suis comme. Non, t'es. Oh, ta prof, la forceuse. Je suis vraiment pas capable. Ouais. Mais, tu vois, regarde. Non, tu vois, tu regardes, tu viens, tu dis, je suis pas gauchère, je suis plus droitière. Ah ouais? Ouais. Mais l'affaire, moi je suis pas gaucher. Hein. Je comprends pas ceux qui ont gaucher parce que vraiment je sais pas avec la gauche. Regarde, comment tu veux écrire avec la gauche? Comment vous faites, oui, les gauchers? Ils sont habitués. Genre, je sais pas. C'est super intéressant, tu vois. Genre à la naissance, genre ton cerveau il te dit soit t'es gaucher, soit t'es droitier. Genre, c'est un peu bizarre, je sais pas. Ouais, il te dit si t'es gaucher? Je sais pas, mais genre c'est le cerveau qui doit dire ça, non? Parce que moi j'ai un jeu que je maîtrise bien. Fait que moi je suis capable de même contrôler la gauche. Il y a des gauchers. Attends, on va faire un vote. On va faire un vote, les gauchers, droitiers, on va voir. Mais je crois qu'il y aura majoritairement des droitiers parce que voilà, je crois que les gauchers c'est genre moins fréquent que les droitiers, quoi. Gaucher ou droitier, c'est la question. Attends, du jour. Je veux dire, parce que je vois pas très bien et si je m'approche on va me voir. Ouais, attends, par contre je sais pas du tout si j'ai bien écrit gaucher et droitier, je sais pas du tout. Mais t'inquiète, ici
Gaucher ou droitier? Attends, attends, s'il te plaît. Ah ouais? Gaucher, c'est pas comme ça, je pense. Gaucher, ouais, oui, c'est comme ça, je crois. Hein. C'est comme ça, en tout cas. En tout cas, les abonnés, voilà, quoi. C'est le début de l'école, je m'en fous un peu du truc. Donc voilà, est-ce que vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Moi, je suis droitier. Toi, t'es droitière, je crois, on dit. Donc, moi, je suis. Toi, t'es droitière. C'est trop facile à la main gauche. Ah ouais? Ah, droitière. Tous droitières en fait. Sont tous droitières. Attends, on va tester une nouvelle potion. Attends, mais comment ne plus avoir cet effet de potion? Parce que sinon, faut à la fin, je vais ressembler à un monstre. Non, faut pas. Tu vois, il y a un bouton ici. Ouais. À gauche. Je vais faire n'importe quoi. Attends, je vais essayer de spawn la potion. Oh my god, le caca. Je barre du caca. Bon, vas-y, allez, on va tester. Allez, allez, droitier, droitier. Ça va, il y a beaucoup de droitiers. Hein. Quand même 23% de gauchers. Ça va, ça va. Les gauchers, je vous respecte. Réaliste-toi. Réaliste en perso. Réaliste. Ah oh ouais, non, je réinitialise. Non, non, il y a un bouton. Ah, il y a un truc, ok, et ça réinitialise automatiquement. Oui. Ah, le jeu est bien non, fait. Non, mais ça fait pas mourir. Ça. Ah, ça fait pas mourir, genre ouais. ça met... Oh, ouais. trop bien. C'est okay. Ça. Reset. Oh, let's go, c'est trop bien, ça c'est trop bien. Oh, Kokorazé, t'es là, mec, ça va? Ouais. Je viens d'arriver, salut, pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, c'est qu'on a terminé un peu les RP. Donc voilà, ça avait parti en cacahuète. Donc on a terminé un peu RP, donc là on joue à un jeu qui s'appelle Wiki Wizard, un truc genre Wiki Wizard. Et on chill avec vous, voilà, vous posez vos questions, j'essaie de répondre, on raconte des trucs. On raconte notre vie quoi, donc voilà. Ok, oh ouais, le mec il est gigantesque là. Oh, attends, il y a un truc de oh, dynamite, ok, il faut qu'on trouve. Est-ce que tu connais un peu Sana, tu peux me dire un peu des trucs parce que là, ok, moi, je sais rien. Est-ce que tu veux que je rejoigne? Vas-y, rejoins. Oh, attends, j'ai trouvé. Je te jure, je te montre tous mes ingrédients, tu vas te chauffer. Vas-y, rejoins. Ok, je vais t'aider un peu parce que je suis un peu. Tu vas par là-bas ou oh, dynamite, là. dynamite. Ah, c'est ça, qu'est-ce que je veux. Et comment je fais pour la prendre? Non, c'est pas comme ça. Comment ça, c'est pas comme vous ça? Vous êtes vraiment très, très, très débile. Mais oui, c'est comme ça, donc on le prend, non? Non, vous êtes débile. Quoi? Comment? Explique-nous, professionnel. J'ai plein de trucs. Tu as envie d'avoir quoi? Je sais pas, moi, une potion assez cool, hein. Ok. Non, tu veux quoi comme ingrédient? Explosion? Explosion, vas-y, hein, une oui, explosion. Tiens, je sais c'est où, moi. Vas-y, non, dis-moi. C'est moi. Ok, dis-le, moi, je m'en fous. Okay, pourquoi vous avez rien envoyé? J'ai un chat de en privé, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux me passer des Robux? Ah oui, aussi dans les vidéos, là, je veux reprendre les concours Robux. Donc la vidéo, peut-être qu'il va sortir demain, si on arrive à la tournée et tout. Peut-être s'il y aura un concours Robux. C'est sûr et certain, les abonnés. Donc, voilà, j'ai envie de vous faire plaisir vous un peu. Où, voilà, on va reprendre les trucs Robux. Je suis pas dans votre serve, je t'es crois. Pas dans notre serve, je crois. Je crois qu'il est complet, hein, parce que là, il y a toutes les abonnés qui m'ont rejoint. Donc voilà, est-ce que vous êtes content qu'on reprend les concours Robux? Donc voilà, ça sera genre, je sais pas, 100 Robux, 50 Robux. Et aussi, on va créer des t-shirts. On va créer des t-shirts comme ça, toutes les Robux. Oh, la chance, c'est la grenouille. Attends, je vais aller voir où elle est, les grenouilles. Sana, elle aime bien. Sana, ça veut utiliser un truc. Attends, mais le mec, il a toutes les... Est-ce que je peux lui voler? Oh non, je peux pas lui voler. Non, ouais, tout ça. Je vais créer un t-shirt et toutes les Robux que je vais avoir grâce au t-shirt, eh ben je vais vous les redonner. Non, vous allez me les donner. Non, tu crois que je vais donner à toi, Sana? Tu crois que tu vas voler les Robux des abonnés, toi? C'est vrai, ça. Oui. Je vais hacker tous les comptes des abonnés. Ouais. Bobux. Ah oui, c'est vrai. En fait, maintenant j'appelle ça les Bobux. 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 Peux-tu refaire des lives longs? Ouais, à partir de samedi prochain, on va faire des lives longs. Là, sérieusement, j'ai envie de faire des gros lives. Des gros big lives. Non. En fait, tu dois battre un monstre. Ah ouais, non, j'ai envie de battre le monstre. Robux, mais... Et tu vas avoir les Bobux. Et on regarde bien dans ma base, tu vas voir, j'ai... Non, mais là, elle est en train de me raconter de n'importe quoi. Hein. Oui, là, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Non, mais là... Bon. Attends, tu vas avoir la dynamite. Je sais pas trop, mais là, moi, je dis qu'elle dit un peu de n'importe quoi. Un live de 4 heures. Un live de 4 heures. Vous voulez un live de 4 heures? Oui. On fait un live 24 heures. Non, je rigole. 24 heures, c'est possible. Ouais, mais 24 heures, allez, vite, d'abonnés. Allez, aux 200 000 abonnés, live 24 heures. C'est bon, c'est dit. C'est dit, les abonnés, ouais. 200 000 abonnés, live 24 heures. Dans tous les jeux. Ouais, dans Minecraft. Roblox, il y aura du Roblox, il y aura du Minecraft, il y aura tout, vraiment. Il y aura des Fall Guys, il y aura des. Fall Guys peut-être, je sais pas, mais Fall Guys, je suis pas trop fan, mais c'est des jeux Roblox en fait. Genre tout. Je m'en rappelle, on a. Non, il y aura pas que des jeux Roblox, il y aura pas que des jeux Roblox. Non, mais on a voulu faire un jeu comme ça. On va faire des cache-cache. Je crois que vous savez, attends, est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai trop envie de faire un truc. Le live s'arrête pas tant que je termine pas Minecraft. Genre, vous voyez, parce que Minecraft, il faut que tu battes l'Ender Dragon pour terminer le jeu. Et genre, vas-y, viens, on le fait. Un live, je coupe pas le live tant que je termine pas Minecraft. Bah oui, ça pourrait être incroyable, hein. Ça pourrait être incroyable.
Mais moi, où je parce que moi, j'ai jamais terminé Minecraft. Juste pour vous dire, je joue à Minecraft depuis. Ouais, je joue à Minecraft depuis. On a déjà terminé. Sans tricher, sans rien, on a jamais. Vraiment jamais. Sans tricher, sans rien, on a jamais. Ça fait depuis. Combien de temps je joue à Minecraft, moi? Depuis genre 9 ans. 9 ans que je joue à Minecraft. Imagine si ça vient de 4h du matin. Non, t'inquiète. Normalement, c'est si les abonnés me soutiennent et tout, je pourrais le terminer en 6h, 5h. Est-ce que vous voulez aussi qu'on fait du iPixel? iPixel, ça, je sais pas. iPixel, pour ceux qui savent pas, c'est un serveur Minecraft, quoi. On pourrait tester en vrai. On pourrait. Voilà, j'ai envie de faire plein de trucs sur la chaîne des abonnés. J'ai juste envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir à moi aussi. Et mes petits amis. Et on commence le live à quelle heure? On va commencer le live à 8h. Quand on aurait les 200 000 abonnés, Je sais pas. J'ai 8 ans. Non, je rigole. J'ai 15 ans. J'ai tendance à dire que j'ai 14 ans. Mais là, j'ai 15 ans. Est-ce que t'as vraiment 15 ans? J'ai vraiment 15 ans, les abonnés. Donc voilà, après, je crois 16 ans, c'est dans un an, le 8 juillet, c'est dans longtemps les abonnés. Parce que voilà quoi, parfois là, quelqu'un me dit j'ai quel âge, je dis j'ai 14 ans parce que je suis habitué. Mais là non, j'ai 15 ans. Donc voilà, il faut que je m'en rappelle. Donc t'as quel âge, Minox, toi? Minox, 15 ans. Il est plus grand. Mais t'es plus grand que moi, non? Je crois que t'es plus grand que moi de quelques mois. Voilà, en tout cas les abonnés, le live, je crois qu'on va le terminer là. Voilà, on s'est bien amusé, il y aura d'autres lives. Et voilà. T'as pas 8 ans? Non, j'ai pas 8 ans. J'ai pas 8 ans les abonnés. Donc voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Merci à tous. Vous êtes les boss. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas de manger des courgettes. Et des aubergines. Faites attention à l'école, les abonnés. Et des aubergines. Non, pas d'aubergines. Eh oh, on va pas commencer avec les aubergines. J'ai dit que les courgettes, c'est ça qu'on mange, pas les aubergines. Les concombres. Non, pas les concombres. Les comment ça s'appelle? Ouais, les cornichons. Les cornichons, j'adore. Hein. Si quelqu'un m'emmène des cornichons, je suis preneur. Comme moi j'aime pas. On ramène avec la sauce, trop bon. Attends. Quoi Minox, t'aimes pas quoi? Cornichon. Ok, c'est bon. Toi tu dégages. Tu dégages. On le parle plus, c'est bon, j'ai quitté le vocal, je lui parle plus à ce gars-là, je le connais pas. Il vient plus sur la chaîne, ok, il a pas. Non, je rigole. Bon. T'as pas, il faut que je te fasse goûter des cornichons, tu vas voir, je vais te faire goûter des cornichons parce que je crois que t'as jamais goûté en fait. C'est trop bon les cornichons, comment tu peux pas aimer? T'as déjà goûté? Non, t'as pas. Je crois. T'as pas goûté. Ouais, le truc, je sais pas, moi j'aime pas les courgettes, j'en ai goûté à la vraie vie, je les aime vraiment pas. En tout cas, les abonnés, faites attention à l'école, faites attention à vous, faites attention à vos courgettes parce que oui, c'est plus important. Oui. Sur ce, les abonnés, vous êtes les meilleurs. Oui. Wesh, qu'est-ce que t'as fait là, la lettre de glace?